Nous aurons donc pour la séance de cet après-midi non plus 5 interventions, mais 4, parce que Henri Thiam ne sera pas là, ne sera pas parmi nous. Et donc ces 4 intervenants maintenant vont aborder les questions, bien sûr les questions de la transmission des valeurs, transmission des savoirs, des compétences, etc. La question des générations. Une génération à l'autre, plusieurs générations, la question de la mémoire, qu'elle soit individuelle ou une mémoire collective, ou encore une mémoire sociale. Et donc ces trois problématiques organisent en réalité l'identité des acteurs sociaux, des individus, hein, que cette identité soit individuelle, qu'elle soit sociale, culturelle ou encore narrative, ou encore une identité ethnique, c'est-à-dire basée sur les traits physiques, ce qu'on appelle l'identité phénotypique, dans le jargon universitaire. Donc je voudrais, avant de donner la parole aux intervenants, et de les présenter après, je voudrais suggérer quelques pistes de réflexion, quelques généralités pour introduire un peu, de façon plus ou moins théorique, d'après les travaux donc, universitaires ou scientifiques, sur ces questions de transmission, sur ces questions de génération et sur ces questions de mémoire. Et donc la transmission, c'est un processus tout simplement qui s'effectue d'une génération à l'autre et elle est un processus dynamique d'échange des idées, des contradictions, des concertations aussi, entre les différentes parties. Et elle est aussi un processus de changement, mais aussi de transformation des savoirs, des compétences, des valeurs, etc. Et donc la question est de savoir quelles valeurs, quelles connaissances, quelles normes, quelles représentations, quels récits familiaux ou sociaux, quelle forme de conscience de soi, mais aussi des autres, conscience de soi, mais aussi conscience des autres, quelle mémoire individuelle, quelle mémoire collective sont léguées par, bien sûr, les familles, mais aussi par la société, léguées donc aux générations suivantes, c'est-à-dire aux jeunes générations. En outre, on se posait aussi la question, un peu plus méthodologique, c'est que quelle voie de transmission possible lorsque les générations antérieures ont subi ou ont vécu des traumatismes, des blessures au cours de leur exil, de leur exode, de leur expatriation ou tout simplement de leur émigration. Et les études sociologiques ont montré que cette notion de deuxième génération, qui est largement utilisée par les médias, par aussi les travaux scientifiques, n'est pas toujours opératoire d'un point de vue méthodologique, du fait que chaque vague migratoire naît une nouvelle génération. Donc d'une génération à l'autre, d'une deuxième génération à l'autre, les circonstances, les lieux, les milieux, les situations ne sont pas les mêmes. Donc difficile d'utiliser cette notion de deuxième génération. Et donc les sociologues préconisent plutôt l'usage de l'expression « les générations suivantes ». Les générations suivantes pour englober la deuxième, la troisième, la quatrième, cinquième, sixième génération, etc. Et donc la transmission a une fonction qui se transforme également au fil des générations et des époques. Et donc les modalités, les finalités de la transmission devraient être ainsi contextualisées dans l'espace et dans le temps. Pour les historiens, les travaux d'historiens ont montré également que la mémoire, bien sûr, nous savons tous que la mémoire est sélective, la mémoire n'est pas infaillible, elle peut nous trahir, nous fausser compagnie, elle peut aussi nous jouer des tours, elle est susceptible donc à des transformations, à des manipulations, à des changements, à des innovations, etc. Et donc, pour les Asiatiques, pour ces populations qui sont l'objet de notre étude, des deux tables rondes de ce matin et de cet après-midi,
on peut se poser des questions, hein, lancer des pistes de réflexion, c'est quelle mémoire familiale ou mémoire collective pourraient-ils, ces Asiatiques pourraient-ils ou voudraient-ils transmettre à leur descendance, c'est-à-dire aux générations suivantes. Certains événements du passé ne risquent-ils pas de devenir imprévisibles, hein, certains événements du passé ne risquent-ils pas de devenir imprévisibles, c'est-à-dire est-ce que des souvenirs ne pourraient-ils pas tout simplement cacher d'autres? C'est une question terrible, le passé, comment le passé peut être imprévisible? La question est là. Et dans un contexte de migration, dans un contexte migratoire ou dans un contexte tout simplement de différenciation sociale, on pourrait s'interroger sur les représentations, sur les identités attribuées ou parfois assignées aux populations asiatiques. Hein, c'est à travers, par exemple, le regard social, le regard des autres, le regard de la société majoritaire, et que ces représentations, ces regards, ces images mentales, ces clichés, ces stéréotypes sont constitutifs tout simplement d'une part de l'identité de ces populations asiatiques. Donc l'objectif recherché est d'analyser la production et aussi la reproduction de ces représentations sociales à partir donc des stéréotypes, des images, des clichés, à partir de l'imaginaire également, mais aussi la capacité de ce regard, de ces images mentales, à tout simplement échanger avec l'environnement social, à débattre avec les idées, les valeurs, les normes culturelles de la société dans laquelle les Asiatiques vivent. Donc comment les différenciations phénotypiques ou ethniques, c'est-à-dire basées sur les traits physiques, les traits extérieurs, comment ces différenciations phénotypiques, les différenciations culturelles, les différenciations sociétales, sont-ils réciproquement perçus par les populations asiatiques, mais aussi par la société d'accueil, le regard social. Et donc, quelles sont aussi les différences, les similitudes, mais aussi quelles sont aussi les régularités que l'on rencontre d'un milieu à l'autre, d'un groupe à l'autre, tout simplement d'une société à l'autre. Hein, voilà, je voudrais donc... C'était ça mon idée d'introduire cette deuxième séance, cette deuxième table ronde de cet après-midi, quelques généralités, quelques pistes de réflexion que nos intervenants peut-être nous donneront, nous témoigneront à travers leurs travaux, leurs livres, leur expérience personnelle, leur parcours, leur trajectoire, comment donc ils peuvent nous apporter des idées, des pensées qui peuvent nourrir donc nos débats. Et donc, avant de donner la parole à la première intervention, il s'agit donc de Madame Doan Bouy, journaliste, Nouvel Observateur, qui a donc publié un des derniers ouvrages intitulé Le silence de mon père. Est-ce que ce silence-là n'est pas dû simplement, vous savez, dans le silence du père, des parents, n'est pas dû seulement à des expériences traumatiques, à des blessures, mais ça peut être aussi dû tout simplement dans peut-être la culture asiatique, mais je ne veux pas être trop culturaliste. Il y a une certaine pudeur à raconter, tout simplement, des blessures dépassées. Ensuite, nous aurons l'intervention de Madame Brigitte Chao, qui est scénariste, avec Christelle Anne, qui est l'illustratrice d'un BD que j'ai beaucoup aimé et que je recommande également à beaucoup,
qui sont intéressés sur cette question d'identité et aussi sur cette question de génération, de transmission également, des valeurs. La BD s'intitule tout simplement Made in France et ça couvre une période des années 68-78 que j'ai beaucoup aimé, que je suggère une suite qu'on pourra, et qui va parler donc sur un thème immigré ou naître en France. Bon, voilà, hein, cet imaginaire du rêve français. Ensuite, Grace Lee n'est pas encore là, donc je reviendrai sur elle après. Henri Thiard sera là, c'est dommage. Et puis, nous avons donc M. Wang Wantongnan, qui est doctorant en sociologie à Poitiers, à l'Université de Poitiers, qui travaille donc sur les enfants franco-chinois, les enfants mixtes, comme on dit, hein, mais tous les mariages sont mixtes, hein, de toute façon, hein, donc c'est, je le mets entre guillemets. Et quel héritage légué à ces enfants de couples mixtes, quelle stratégie donc éducative et identitaire, mais qui est doctorant, qui est en troisième année de doctorat à Poitiers. Hein, je vous laisserai la parole tout à l'heure. Madame Bouy, s'il vous plaît, à vous, je vous laisse la parole. Bonjour, merci pour l'invitation. Eh bien, donc, comme vous l'avez rappelé, je suis journaliste et j'ai écrit ce livre qui s'appelle Le silence de mon père. Et donc, vous le voyez effectivement, rien que par rapport au titre, certaines des problématiques que vous avez évoquées dans votre discours d'introduction sont évidemment au centre de mes questionnements, c'est-à-dire effectivement, quelle est la mémoire qu'on peut transmettre quand de la part de vos parents, finalement, vous avez eu très très peu de transmission, et quelle histoire, en fait, vous pouvez raconter. Alors, c'est vrai que c'est pas d'autant plus paradoxal que moi, en tant que journaliste, mon métier, c'est de raconter des histoires, et qu'en plus, j'ai énormément travaillé sur l'immigration, les migrants, les réfugiés. Et du coup, dans ma pratique journalistique, j'ai rencontré des familles d'un petit peu tous les des gens qui venaient du Sénégal, d'Algérie, d'un peu partout. Et je leur posais donc toujours des questions, justement, sur leur parcours, leur trajectoire. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ces questions que je leur posais, je ne les avais pas posé à mes parents, et je connaissais finalement très très peu de choses sur l'histoire du Vietnam. Vous l'avez souligné tout à l'heure, le silence, c'est donc dans le cas du Vietnam, il y a une guerre, mais il y a aussi plein d'autres choses qui expliquent le silence, et d'ailleurs le silence se fait à deux, c'est-à-dire que les enfants aussi parfois, surtout quand on est né en France et qu'on veut s'intégrer, il y a peut-être un malaise, en fait, à interroger ses parents et à poser ses questions, parce que effectivement, moi, j'ai grandi dans une ville de province. On était la première famille asiatique à s'y installer. Donc, quand je suis arrivée à l'école, je parlais pas encore français. Donc, j'avais 3 ans, mais donc du coup, très vite, c'était très très important pour nous de plus parler que français, donc j'ai oublié le vietnamien. Donc le processus d'intégration, forcément, il passait aussi par le mot négation est peut-être un peu violent, mais en tout cas par une mise entre parenthèses de ce passé, puisque voilà, pourquoi se tourner vers le passé, puisqu'il fallait déjà construire l'avenir, et pour mes parents, construire l'avenir de leurs enfants. Donc, en fait, pendant très longtemps, je me suis définie d'abord comme une Française, sans m'intéresser trop sans m'intéresser à cette histoire. Et en plus, vous parliez tout à l'heure de représentation, en ayant des représentations de cette histoire très biaisées, parce qu'effectivement, on est dans un environnement où il y a finalement très peu de personnes qui ont raconté cette histoire, en tout cas de notre point de vue, à nous, asiatiques. Alors pour ça, je vous conseille tous de lire le livre Le sympathisant de Viet Thanh Nguyen, qui a eu le Pulitzer il y a 2 ans,
qui revient sur la guerre du Vietnam, et lui explique, ben, pour l'avoir interviewé à plusieurs reprises et en avoir souvent discuté avec lui, ben, il a eu cette expérience que beaucoup de jeunes Vietnamiens ont eue. Il y a énormément de choses, de films hein, qui ont été écrits sur la guerre du Vietnam, et de... mais en fait, jamais du point de vue vietnamien. Donc finalement, cette histoire que je voyais omniprésente dans les films, Platoon et compagnie, c'était d'un point de vue américain, et c'était en fait pas du tout l'histoire de mes parents, qui est une histoire classique de la diaspora, c'est-à-dire que mon père venait du Nord, en 54 il est arrivé après les accords de Genève, donc après la victoire de Dien Bien Phu, comme... son père, qui pourtant avait été résistant, était en opposition avec le régime et descend à fuir le nord et aller dans le sud. Donc c'est un premier exil. Et deuxième exil en 75, ben tout, voilà, ils partent en Europe et donc finalement ne reviennent. Enfin, il est parti plus tôt, mais en tout cas, il y a une cassure après 75 qui fait que pour une bonne partie des Vietnamiens de la diaspora, ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient plus revenir au pays. Donc en fait, leur histoire est un peu une histoire de vaincus, on va dire, puisqu'ils ont effectivement perdu la guerre. Donc c'est pas l'histoire que vous allez voir, par exemple, dans les musées de la guerre ou de l'immigration au Vietnam. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Américains ont aussi perdu la guerre, mais en revanche, pas la guerre de la narration, puisque, effectivement, que ce soit dans le cinéma ou dans les livres, ils ont énormément écrit sur cette guerre du Vietnam. Donc, qu'est-ce qui reste dans la mémoire collective? C'est leur version de l'histoire, et non pas la version de nos parents. Donc, est-ce qu'en fait, c'est parce que nos parents ont été silencieux, ou est-ce que c'est parce qu'on ne les a pas entendus? Je pense que ça va dans les deux sens, en fait. Ça va parce que, voilà, il y a eu des écrits, mais qui ont eu très, très peu de réception. Donc, finalement, on arrive à la génération d'après, ceux qui sont nés en France, et du coup se mettent à s'interroger sur ce passé-là, et qui se disent à un moment, comme vous, par exemple, peut-être qu'on doit aussi raconter cette histoire avec notre regard, même si nous ne l'avons pas vécu, c'est l'histoire de nos parents. Mais vu qu'on ne s'est pas retrouvé dans les histoires qui ont été racontées, peut-être que c'est à nous de la raconter. Alors dans mon cas, ça s'est fait assez lentement, comme je vous l'explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est ce que je raconte dans mon livre. Ce livre, il est sorti en 2016 et mon père a eu un AVC en 2005. C'est-à-dire qu'un AVC, c'est un accident vasculo-cérébral. Et donc après cet accident, il s'est retrouvé aphasique, donc à moitié paralysé, et il ne pouvait plus parler. Voilà, toutes les questions que j'aurais éventuellement voulu lui poser, je ne pouvais plus lui poser puisqu'il ne pouvait plus me répondre. Donc c'était assez frappant puisqu'il se retrouvait un peu dans la même position que beaucoup de migrants que j'avais rencontrés qui ne parlent pas la langue, ne parlent pas anglais, qui se retrouvent dans des environnements où ils ne peuvent pas maîtriser la communication. Et c'était assez troublant aussi par rapport à son parcours, puisque quand il arrive en France, il ne parlait pas français. Donc, quand on est aphasique, comme mon père, voilà, le cerveau marche très bien, mais on a oublié le langage. Et dans son cas, voilà, il avait oublié le langage. Donc, il se retrouvait finalement, comme au début de sa vie de migrant, à ne plus savoir parler. Et cette même année-là, quand mon père a eu cet AVC, il se trouve que j'étais enceinte et donc j'ai eu ma fille aînée. Et évidemment, quand on devient parent, vous parliez de transmission aux générations futures, ben c'est évidemment à ce moment-là qu'on se dit qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants, quelle histoire on va leur raconter. Et évidemment, c'est aussi là qu'on se dit, mais quelle histoire je vais raconter, alors que moi-même, je n'ai pas fait ce travail de récolter cette histoire, ou en tout cas, pas suffisamment. Donc ça, c'était en 2005, et bon, vous voyez, ça a mis un certain temps pour moi pour ramasser cette histoire, et je pense que mon travail de journaliste, en tout cas, ça m'a aidé, ça a été un petit peu comme une carapace, parce que vous le savez tous, quand on est enfant de quelqu'un, c'est compliqué, c'était compliqué en fait, donc c'est compliqué d'enquêter dans sa propre famille, de poser des questions, parce que justement vous évoquiez très justement la pudeur, et le, surtout quand il y a eu des guerres, en fait ça on s'en rend compte dans toutes les familles. Ben, je fais souvent l'analogie avec l'Algérie, une guerre, voilà, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de
de blessures non refermées et qui souvent sont encore très très douloureuses 40 ans, 50 ans après. Et à chaque fois que je suis revenue au Vietnam, je m'en suis rendu compte d'ailleurs, c'est que les gens de la génération de mes parents n'arrivaient pas à parler de la guerre et que finalement... la génération d'après, qui devenait parent et qui n'avait pas eu du tout le même parcours d'immigration que moi, ils ne savaient pas du tout plus ce qui s'était passé pendant la guerre, parce qu'il y avait eu des familles divisées, des familles du côté du Nord, des familles du côté du Sud, des trahisons, enfin beaucoup de choses de très très compliquées. Donc finalement, personne n'en parlait. Donc c'est quelque chose qui est commun, en fait, cette non-transmission de la mémoire et de silence. Moi, j'avais l'impression que c'était spécifique à nous, voilà, enfants d'immigrés nés en France, mais je l'ai retrouvé vraiment chez les Vietnamiens de la génération d'après, après la guerre, où finalement la transmission ne s'était pas forcément faite. Et du coup, voilà, pouvoir m'abriter derrière le fait de faire une enquête, ça m'a forcée en tout cas à poser ces questions que je n'avais pas posées, que ce soit du côté de la famille au Vietnam et aussi du côté de la France. Et ça m'a permis aussi de m'interroger sur, je vais pas déflorer et puis je veux pas être trop longue, sur ce que ça voulait dire être français, parce qu'en fait j'essayais de repousser cette enquête parce que je pense que j'avais pas envie de m'y confronter. Et en fait, bizarrement, souvent, mon travail de journaliste me réobligeait à me mettre dans cette enquête. Je prends un exemple. En 2007, j'ai perdu ma carte d'identité. Ça a été tout un processus très compliqué pour refaire ma carte d'identité parce que j'ai dû prouver que j'étais française. Donc, évidemment, quand vous devez prouver que vous êtes française alors que toute votre vie, vous vous êtes dit que vous étiez française à 150%, c'est un petit peu déroutant dans la vision qu'on a de soi-même. Et comme j'avais eu ces mésaventures et que je m'étais retrouvée finalement exactement à la même place que les migrants et les réfugiés que j'interviewais tout le temps, mais en me disant « Oh, les pauvres, eux, ils n'ont pas leurs papiers et moi, je ne suis pas dans le même cas », voilà, j'ai vu que la frontière entre nous était bien plus mince que je ne le pensais. Et à cette époque-là, en fait, Nicolas Sarkozy président, donc il y avait tous les débats sur l'identité nationale, qu'est-ce que ça voulait dire être français. Donc j'ai fait un peu le tour de France dans tous ces débats où, et en fait à chaque fois dans les mairies, quand les gens définissaient ce que ça voulait dire être français, qui parlaient des églises et tout ça, je ne me reconnaissais pas du tout dans leur définition d'être français. Donc c'est une année en fait de déconstruction de ce que ça voulait dire être français. Et à ce moment-là, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur les dossiers de naturalisation. Je suis retournée aux archives pour étudier les dossiers de naturalisation de gens qui aujourd'hui font vraiment partie du patrimoine français, Aznavour, Gainsbourg et autres. Mais à l'époque où, évidemment, leurs parents ou eux-mêmes demandaient la naturalisation, ils étaient des étrangers. Et quand j'ai fait ce travail-là, donc, qui n'avait rien à voir avec mon histoire personnelle, il se trouve que c'est à ce moment-là que j'ai retrouvé le dossier de naturalisation de mes parents et qui m'a évidemment plongée dans l'histoire de ma famille et de secrets que je ne pensais pas découvrir. Mais bon, voilà, j'imagine que c'est fatal quand on enquête sur sa famille de tomber sur des secrets de famille. Voilà. Bravo. Merci pour ce témoignage. Bon, j'ai quelques questions à vous poser, mais après, je crois qu'on va faire comme ce matin. On va prendre toutes les interventions et puis après, on fera un débat avec l'auditoire qui sera là et nous aussi. Parce que bon, cette histoire de carte d'identité, de prouver à soi, c'est lié au droit du sol, tout simplement. Et que toute organisation sociale, dans l'humanité, toute l'organisation sociale est calquée sur l'organisation familiale. Et l'organisation familiale, c'est les clans, c'est clans au sens propre du terme, au sens anthropologique du terme. C'est lié à des familles qui se sont installées dans un lieu, dans un terroir, etc. etc. Donc voilà, bon, je ne vais pas me lancer là-dessus, mais on reviendra là-dessus. Merci pour ce témoignage. Donc, la deuxième intervention,
celle de Madame Brigitte Chao, qui est donc scénariste, comme je disais tout à l'heure, et qui va nous parler donc sur cette question également d'identité, d'identité de soi, cette conscience de soi, mais aussi des autres, mais à travers d'une génération à l'autre, et plus particulièrement à sa génération. D'accord ? Donc voilà, je vous laisse la parole et on reviendra. Merci, merci déjà de m'avoir invité, hein, Simeng. Donc je me présente, Brigitte Chao, scénariste et autrice de la bande dessinée Made in France, 68-78, chronique d'une famille chinoise à Paris, que j'ai faite avec ma petite cousine Christelle Han, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, qui n'a pas pu venir, voilà, et qui est ma petite cousine, et qui a donc prêté son grand talent et sa sensibilité pour qu'on puisse faire aboutir cette bande dessinée. Alors, c'est une bande dessinée qui est en partie autobiographique, voilà, qui est inspirée effectivement de ma vie. La narratrice, qui n'a pas de nom d'ailleurs volontairement, s'appelle La Petite. C'était un peu volontaire parce que justement, c'est pas seulement une petite qui est née en France d'origine chinoise, mais ça aurait pu être une petite née en France d'origine africaine ou d'origine indienne, enfin voilà. Et donc, elle est née en France, ses parents sont d'origine chinoise, donc comme les miens l'étaient et sont arrivés en France dans les années 50. Et elle se construit, elle fait tout pareil que les jeunes Français de sa génération. Elle habite à Paris avec ses parents, en plein cœur du quartier latin. Elle va à l'école, elle s'amuse, elle rêve. Et le seul hic ou pas, donc ça c'est un peu ce qu'on avait mis sur la quatrième de couverture, c'est qu'elle est d'origine chinoise. Alors, le projet était venu surtout de l'envie, donc par rapport à la thématique de la mémoire, de la transmission, de montrer ce que la petite d'origine chinoise, comment la petite d'origine chinoise s'était construite d'abord une identité française. Et ça me rappelle un peu ce qui a été dit ce matin, voilà, le droit à l'indifférence. Alors, c'est pas tellement le droit à l'indifférence là, mais c'est que quand on est petit, comme la narratrice, on ne se pose pas tellement de questions sur ses origines ou même sur sa nationalité. Ce matin aussi, quelqu'un disait « Tiens, pour la première fois, j'ai dû remplir pour l'école nationalité. » Donc voilà. Moi, quand effectivement la petite donc, est née à Paris, elle fait tout pareil. Et la BD permettait justement de montrer les contradictions ou les contrastes entre ce qui était ressenti par une gamine qui ne se pose absolument pas de questions, qui a un regard complètement innocent, et le contraste avec le décalage d'une famille qui, elle, arrive à Paris. Donc ça, c'est le grand rêve donc, d'une famille qui souffre du communisme en Chine, qui vient en France avec l'espoir d'une vie meilleure, avec un imaginaire, qui arrive à Paris, qui arrive quand même à se construire une vie, et le décalage de la petite qui, elle, finalement, a un imaginaire qui est ancré dans la vie parisienne, et qui se construit une identité grâce à trois choses. Donc j'ai voulu vraiment axer sur ça, ces trois choses-là. L'école, mais ça avait un peu de soi. Mais surtout à l'époque, comme elle est née en 64, elle a construit son identité à travers la télévision, qui était un médium beaucoup plus fédérateur qu'aujourd'hui, puisqu'il n'y avait que l'ORTF à l'époque. Donc elle se construit une identité par la télévision et par les chansons populaires françaises. Ce qui fait que dans la manière dont elle grandit, se crée une sorte de dichotomie entre ce qu'elle reçoit directement de la France, et d'où le titre aussi Made in France, donc qui est effectivement un clin d'œil au Made in China, mais elle est vraiment construite donc, par cette identité-là qu'elle reçoit immédiatement à travers donc, l'école, la télévision et les chansons populaires. Parallèlement, il y a les parents qui sont en France, donc, et notamment la mère qui a rêvé donc, d'une France qui serait une terre d'Eldorado où elle pourrait construire une vie meilleure et qui arrive, donc c'est déjà une grande victoire pour les parents d'arriver à émigrer en France, mais qui évidemment en arrivant en France voit son imaginaire un petit peu déçu ou un peu où la mère et les parents sont un peu déboussolés par la réalité de ce qu'ils avaient imaginé avant de partir. Donc ça se voit sur des petites choses parce que c'est une BD légère, voilà, qui a été volontairement conçue pour être comment dire, pour couvrir déjà juste 10 années, donc 68-78. Et très vite, on voit que les parents donc, sont heureux d'être en France, mais en même temps, ont l'impression d'être sur la planète Mars.
Parce que finalement, je pense que ce que les parents ont retenu de l'imaginaire français ou de la possibilité d'une vie meilleure en France, c'est l'idée de liberté. Sauf que, enfin ça c'est mon interprétation, et c'est ce que j'ai vécu, donc c'est pas, je ne dis pas une généralité pour tout le monde, sauf que pour les, je pense que pour mes parents, la liberté en France, ça voulait dire la liberté de travailler, d'avoir une ascension sociale sans être dépossédé de leurs biens, comme il l'avait été en Chine, parce qu'il venait d'un monde paysan, donc il y a eu le grand bond en avant, comme on l'a évoqué ce matin. Et que pour la petite, qui évidemment, quand on est petit, on n'a aucune idée politique, mais pour la petite, elle voit tout de suite, je pense, d'une manière assez inconsciente, mais immédiate, que la liberté, c'est celle de s'exprimer. C'est celle du corps aussi, et c'est celle de la parole. Donc il y a toujours ce hiatus, et la BD permettait de montrer, donc sans juger, puisque c'est le regard d'une enfant et de son innocence, de montrer tout de suite que, voilà, par exemple, en 68, il y a les manifs, et on a la mère, donc c'est vraiment juste par touche, hein, c'est le dessin de Christelle qui permet ça, donc on voit que la maman donc, voit ces manifestations, ils habitent dans le quartier latin, donc en plein cœur des manifestations, et la mère est affolée, parce que le droit de manif, évidemment, en Chine, ça n'existe pas, mais c'est une liberté, voilà, qui est en France, et donc il y a une sorte de, comment dire, d'inconfort ou de malaise de la mère qui se dit « Mais voilà, on est arrivé en France, et qu'est-ce que c'est que ces gens qui manifent ?» Il y a des préjugés aussi de la part des Chinois, et ça, on en parle rarement, parce qu'on parle des préjugés que les Chinois subissent, mais il y a aussi des préjugés des Chinois qui arrivent en France sur les Français. Donc ça, ça m'intéressait aussi, parce que mon regard, il est vraiment français. Enfin voilà, c'est la première image que j'ai eue de moi-même, des autres, et finalement, les étrangers, c'était mes parents. Voilà, ou l'exotisme, sans parler d'étrangers, mais ce qui était exotique, c'était mes parents. Les manifs, c'était quelque chose d'inconfortable, qu'ils ne comprenaient pas. Et tout ce qu'ils voulaient, c'était travailler, nous nourrir, évidemment, gagner leur vie, avoir une maison, voilà. Et ça, c'était le rêve de mes parents, d'avoir cette vie meilleure qui était possible à Paris. Alors que pour la petite, voilà, ce qu'il y a, c'est la télé. Alors maintenant, la télé, c'est autre chose, c'est les chansons. En plus, les années 70, c'est très festif, joyeux. Donc, pour les parents, c'est assez choquant de voir cette liberté de mœurs. En plus, c'est une période d'émancipation, donc avec une grande liberté sexuelle, les chansons, les Claudettes qui dansent à moitié à poil, enfin voilà. Donc, tout ça, ça les horrifie un peu. Et la petite, elle ne comprend pas. Et donc, elle reçoit quand même une éducation, évidemment, chinoise, où les parents vont dire attention, il ne faut pas trop dépenser. En même temps, ils sont contents d'avoir les moyens d'avoir un pouvoir d'achat. Ils ont peur que la petite se fasse contaminer par les mœurs donc françaises, à savoir tout ce qui est liberté, enfin amitié, danser, c'est frivole. Enfin voilà. Donc j'étais baignée aussi dans cette tradition où il fallait donc être quand même suivre les préceptes confucéens d'obéissance, de sobriété, de pudeur, comme on disait. Et en même temps, j'étais emportée, enfin voilà, parce que je voyais dans la télé, moi je trouvais ça très drôle de danser, de se trémousser devant un écran. Voilà. Et mes parents étaient donc plutôt un petit peu inquiets de l'avenir de leurs enfants. Donc par rapport aux idées de transmission, voilà, y a ce décalage que moi j'ai vécu, et évidemment j'étais du côté « Made in France ». Et je me souviens de l'anecdote ce matin aussi de Valérie, donc l'intervenant ce matin, qui disait qu'il s'appelait Valérie parce que c'était l'infirmière qui avait donné son nom à cause de Valérie Giscard d'Estaing. Bon, et que voilà, il n'a pas pu s'appeler Philippe ou Paul, mais il a été appelé Valérie parce que les parents n'avaient pas de prénom français à lui donner. Moi, j'ai un peu la même anecdote, je m'appelle Brigitte. Et c'est l'infirmière aussi qui m'a baptisée. Donc, on va remercier toutes les infirmières de France et de Navarre de nous avoir donné des beaux prénoms français. Brigitte, à cause de Brigitte Bardot. Et mes parents ont dit oui. Sauf que quand ils ont dit oui, ils ne pensaient pas à la difficulté de prononcer Pissite. Je dis, voilà, le G, le R, horrible. Donc, voilà. Et ça, c'est aussi, je trouve que le prénom, le bain de langage, c'est la première chose qu'on reçoit de notre identité. Et très longtemps, j'ai détesté mon prénom parce que je le trouvais trop français, et puis parce que je suis pas aussi vieille que toutes les Brigitte qui ont eu le prénom de Brigitte. Voilà, même si j'aime beaucoup les Brigitte qui sont mes aînées. Et j'ai longtemps détesté mon nom de famille, Chao, voilà, parce que c'était trop chinois. Et
pour la jeunesse, donc je vais en finir là-dessus, enfin pour la BD, donc en fait j'ai écrit un roman quand j'avais 30 ans, que j'ai publié en 2002, qui s'appelait La Chinoise de Paname. C'est un titre que je trouve horrible. Donc en fait, initialement, c'était parti sur l'idée du prénom, justement, comment on est nommé. Quels sont les premiers mots qu'on reçoit? Donc moi, c'est les mots français de la télévision. Et évidemment, ma langue maternelle, c'est le chinois quand même. Donc, mais je l'ai très peu parlé. Et c'est d'abord ce que j'ai reçu tout de suite à l'école. Mais donc, ça s'appelait La Chinoise de Paname. C'est l'éditeur qui voulait absolument, à l'époque, me faire changer le titre. Enfin, mon titre original était peut-être nul, mais c'est celui qui m'avait accompagné. Ça s'appelait Appelez-moi Gertrude. Voilà, bon, il vaut ce qu'il vaut. Mais j'y tenais parce que la narratrice s'appelait Gertrude et je m'étais un peu cassé le tronc, comme on dit, pour trouver un prénom qui ait un G et un R comme le mien, afin que les personnages ne puissent pas le prononcer. Et c'est ça qui m'avait accompagnée. Et en plus, je repense à ce que vous dites là sur le silence. Je sais que le roman commence par « J'ai eu longtemps les tympans crevés par une histoire que je n'ai jamais entendue ». Voilà, le silence de ma mère qui souffre. Qui souffrait, voilà. Ça c'est dans le roman. Hein. Et voilà, donc ça c'est, voilà, c'est donc finalement on s'accroche aux mots, on s'accroche au nom qu'on nous a donné. Et j'ai dû quand même l'appeler donc la Chinoise de Paname parce que l'éditeur avait raison. Hein, donc il faut bien qu'il vende son livre. Il disait mais il faut qu'il y ait un truc sur la Chine ou Paris, la France. Et donc j'ai dû faire un compromis. Il me disait, on n'a qu'à l'appeler France-Chine. Je dis, non, mais ça, c'est horrible. Laisse-moi 24 heures. Donc, et j'ai trouvé La Chinoise de Paname. Mais je déteste ce titre. Parce que, justement, il y avait le mot chinoise. Paname, bon, c'était pour le truc rigolo. Mais parce que ça me renvoyait, encore une fois, alors que j'avais envie de dire mon message, c'est appelez-moi Gertrude, appelez-moi Brigitte, et qu'on n'en parle plus. Voilà. Et c'est un roman qui, à l'époque, correspondait aussi à un moment de ma vie où j'étais moins apaisée sur les relations familiales, sur les conflits justement avec mes parents. Il y avait un peu plus de rancœur, d'incompréhension, d'incommunicabilité avec mes parents. Donc voilà, c'était un roman que j'avais besoin de décrire, un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, on se dit on est obligé de se coltiner l'histoire, son histoire, son passé. L'héritage de ses parents, alors que, comme beaucoup de gens, enfin, et pas forcément d'origine asiatique, leur première réaction, souvent, c'est de rejeter leurs origines, parce que, voilà, on se dit, bah, écoutez, vous avez immigré, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, on ne veut pas être en France et nous dire de parler chinois, mais parler français d'abord, voilà. Donc, il y a cette sorte d'incompréhension et de bagarre entre les deux générations. Et voilà, donc ça c'était pour le roman. Mais la BD, donc là j'ai grandi, j'ai vieilli. Aujourd'hui, donc Made in France, et là j'assume vraiment le titre, parce que c'est vrai, je suis faite en France. Ça ne veut pas dire que je renie mes origines. Donc la BD a un ton plus léger, l'angle d'attaque est différent. Je voulais vraiment que ça soit sur le ressenti des émotions et que ça soit moins intellectualisé, moins sur la recherche du pourquoi et du comment, et pourquoi on ne s'entend pas, pourquoi on ne se comprend pas. Voilà. Et c'était juste montrer donc les 10 dernières années des Trente Glorieuses, donc ces années qui sont effectivement, à mon avis, quand même exceptionnelles, enfin, qui sont très marquées par une époque donc spécifique, les années 70, qui correspondent exactement, donc ça c'est le hasard, aux 10 années de la petite, qui a entre 4 ans et jusqu'à... Non, de 4 ans à 14 ans, voilà, 10 ans. Et donc, ça coïncidait, donc, l'enfance, la construction de son identité, qui correspondent à ces années, des années 70, et comment elle adopte la mémoire collective de la France, voilà, avec ces mêmes références-là. Donc, dans la BD, il y a plein d'allusions, donc, à la société française, à la culture, au cinéma, aux chansons, et comment, en même temps, les parents sont un petit peu largués par rapport à ce que leurs enfants vivent à côté. Voilà. Et aujourd'hui, j'aime, enfin, mon prénom Brigitte Chao, voilà, ça y est, je l'ai assumé. Et Made in France aussi, je l'assume complètement. Voilà. Bien. Bien sûr, le patronyme comme le prénom sont des éléments qui nous inscrivent dans la société parce que c'est avec ça que nous identifions. Prénom, Brigitte Chao, voilà.
Hein, cette made in France-là, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, que tous ces éléments-là organisent finalement la société dans laquelle nous vivons et que nous sommes tout simplement en plein dedans. Voilà, d'ailleurs devenu un des sujets les plus clivants, le prénom. Ah oui. Les débats sur l'identité nationale. Oui, là on est. Et c'est devenu vraiment quelque chose de. Oui, oui, récemment. Un des articles où j'ai eu plus d'insultes, c'est un article que j'ai écrit sur. Juste pour rebondir sur ce que vous dites, comme on parlait d'identité nationale, je remarque que depuis ces dernières années, évoquer ces histoires de prénoms, en fait, ça crée des débats politiques à n'en plus finir. Bon, je ne reviendrai pas sur cette polémique Éric Zemmour, mais je remarque aussi qu'en tant que journaliste, la fois où j'ai écrit un billet justement sur nos prénoms, moi je n'ai pas un prénom français, mais voilà, et je n'ai pas donné un prénom français à mes filles, je pense que c'est l'article où j'ai eu plus d'insultes d'internautes et autres, ce qui montre à quel point en fait beaucoup de choses se cristallisent autour de cette question du prénom et cette idée de si vous n'avez pas de prénom français, ça veut dire que vous êtes un mauvais français. Voilà. Oui. Ce qui est complètement... D'accord, on reviendra, c'est promis, tout à l'heure sur cette question, mais je vais donner la parole à Grassley qui est arrivée. Donc aujourd'hui, je n'ai pas pu vous représenter tout à l'heure. Parce que bon, et donc vous allez nous parler tout simplement sur ces efforts des mémoires des originaires de l'Asie du Sud-Est, et nous retombons également sur ces questions de transmission de génération, mais aussi surtout de mémoire. Mais je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit tout à l'heure sur ces questions de blessures, de traumatisme. Mais je vous laisse la parole. Je préfère laisser la parole. Et on reviendra sur le débat après. D'accord. Bonjour, merci de m'avoir invité. Désolée pour mon retard. Les efforts de mémoire des descendants de migrants de l'Asie du Sud-Est. Je vais essayer de vous parler de mon expérience personnelle, de laquelle peut-être on pourra tirer quelque chose ou pas. La transmission, pour moi, elle est très importante puisque c'est quelque chose qui traverse tout mon travail. J'ai créé un blog il y a plusieurs années qui s'appelle La Petite Banane, dans l'idée de transmettre. Au départ, c'était pour les bonnes adresses du 13e, parce que j'en avais assez de lire des commentaires désobligeants sur des restaurateurs du 13e. De personnes qui ne connaissaient pas manifestement la cuisine qu'ils proposaient et se permettaient de critiquer leur travail et du coup d'affecter leur business, leur commerce. Et donc non seulement il y a les questions de transmission, mais la transmission dans le but rétablir un certain équilibre dans cet univers de représentation réduite et fantasmée des Asiatiques. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu transmettre ces bonnes adresses pour que, justement, il n'y ait pas que ces adresses-là qui soient répertoriées sur TripAdvisor. Pour qu'il existe d'autres adresses qui puissent être... où les personnes ne parlent pas français, les serveurs ne parlent pas français, et ce n'est pas forcément quelque chose d'insurmontable. Je suis sûre que vous avez été dans un pays étranger, vous ne parliez pas la langue, et vous avez quand même mangé, et bien... Et où il y avait des choses, quand vous ne connaissez pas, où il faut aller à la rencontre de l'autre. Et donc je pense que c'est ce qui, à mon sens, manquait quand j'ai commencé à faire ce blog, c'est-à-dire que j'ai voulu parler des personnes chez qui mes parents m'emmenaient. Mes parents sont chinois du Cambodge, ils sont arrivés en France dans les années 60. Et donc moi je suis née en France, je suis donc franco-sino-cambodgienne. Tout ça à la fois. Et donc il y avait cette idée de ces restaurants du 13e où ils font des nem et aussi des ban kun et aussi du riz cantonais et aussi, mais quand même, ça ne peut pas être authentique. Et en fait, c'est une authenticité qui échappait aux gens qui chroniquaient ces restaurants-là. C'est une authenticité de ces personnes-là qu'ils ont emmenées dans leur bagage. Mes parents, effectivement, sont chinois-cambodgiens. Et rien que ça, chinois-cambodgien, c'est une notion assez compliquée à comprendre pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire du Cambodge ou même... de l'Asie. Même moi, pour moi, c'était difficile à comprendre. Comment est-ce qu'on peut être chinois et cambodgien en même temps, puisque la Chine et le Cambodge, c'est deux pays différents qui ne sont même pas limitrophes.
Donc c'était vraiment une question difficile. Donc, ensuite j'ai appris ce que c'était qu'une diaspora, puis j'ai appris aussi ce que c'était que une deuxième génération. Enfin, moi m'a dit que c'était pas quelque chose de sociologiquement correct, mais en tout cas moi quand je dis deuxième génération, ça signifie que c'est pas un groupe social, mais c'est plus mon expérience de personne asiatique qui n'a pas le même parcours que celui de mes parents. Et donc du coup mon rapport à mon héritage, il est très différent de celui de mes parents. Mes parents, ils se sentent chinois. Donc, quand on leur dit « vous êtes chinois », ils ne se sentent pas du tout blessés, au contraire. Et c'est exactement ce que... C'est une négation avec leur identité. Alors que moi, si on me dit « tu es chinoise », ce n'est pas exactement vrai. Enfin, je veux dire que je me sens bien sûr chinoise, mais si je ne me définis que comme chinoise, il y a énormément de choses qui n'est pas dans la photo, puisqu'il y a aussi un héritage beaucoup plus complexe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire les gens à une seule identité. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'en 2019, c'est très difficile de réduire les gens à une seule identité, parce que même si vous ne venez pas d'ailleurs, si vous êtes de souche, comme on dit dans la fachosphère, vous avez, votre souche, elle prend ses racines quelque part. Et donc, vous pouvez être du Berry, c'est une identité. Vous pouvez être, etc. Voilà. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, il faut questionner cette idée d'être française. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, l'idée de transmettre pour moi, c'est du coup de proposer plus de représentations où la France d'aujourd'hui, elle n'est pas réduite à une seule, c'est-à-dire la représentation de la personne blanche dans un château avec des chiens de course, enfin, les trucs de chasse à cours, là. Avec des tableaux de chez lui. Peut-être dans ce genre d'endroit, je pense que très peu de Français vivent dans cette pièce. Et donc, voilà, de proposer plus de représentations justes des Français d'aujourd'hui. Et donc, comme moi, je suis française d'origine sino-cambodgienne, je propose des représentations de personnes qui me ressemblent. Donc j'ai fait le blog, ensuite j'ai créé une web-série documentaire qui s'appelle « Ça reste entre nous », où j'ai interviewé des personnes asiatiques d'horizons différents, donc ils sont français, alors, de papier je ne sais pas, peut-être pas tous, mais en tout cas ils sont asiatiques, c'est-à-dire qu'il y a une personne de Corée du Sud, originaire de Corée, dont les parents sont originaires de Corée du Sud. Enfin, c'est hyper compliqué de devoir tout donner, tous les détails. C'est pas pour ne pas leur rendre honneur, mais je dirais qu'elle est coréenne. Hein. Y a une personne chinoise, il y a une personne vietnamienne, etc., etc. Donc ces personnes-là discutent autour d'une table, parce que la table est aussi un critère de transmission, enfin une manière de transmettre. Et je pense que c'est la manière de prédilection de mes parents. Mes parents ne disaient jamais comment ça va. Il disait, est-ce que tu as faim ? Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très, très important, et pas que dans la culture asiatique. Hein, des cultures asiatiques, c'est quelque chose d'assez international, d'universel, que de prendre soin des siens. Donc cette web-série, elle a permis aussi d'évoquer des sujets qui ne sont pas que asiatiques. C'est-à-dire que lorsqu'on est asiatique, on nous appelle sur un plateau quand on parle de racisme anti-asiatique, et encore ça c'est récent. Avant c'était pour au Nouvel An chinois, on m'appelait pour faire un truc sur les NEM. Voilà. Donc il n'y avait qu'un seul moment dans l'année où on pensait à moi, c'est-à-dire que c'était lors du Nouvel An chinois. Parce qu'on se dit, ah mais il y a cette chinoise là qui fait un truc, on va l'appeler. Et l'idée, c'est qu'on puisse appeler des gens qui me ressemblent tout au long de l'année, puisque évidemment nous vivons le reste de l'année comme les autres, et que dans cette web-série, l'idée, c'est que ces personnes-là, elles s'expriment sur des sujets qui ne sont pas asiatiques, mais qui sont tout à fait, j'aime pas dire universels, parce que maintenant, c'est complètement galvaudé, mais des sujets de tout le monde, en fait, c'est-à-dire comment vous transmettez à vos enfants, quelle langue vous leur parlez, comment vous avez choisi votre conjoint, est-ce que vos parents vous ont mis la pression ? Est-ce que vous avez choisi un métier en fonction de la pression sociale qui existait dans votre milieu ? Est-ce que vous avez les critères de votre beauté, vous vous trouvez belle en fonction des critères de quels critères, en fait ? Est-ce que c'est des critères, on va dire, de l'Occident, puisqu'on parle aussi de sphère d'influence ? Ou est-ce que ce sont des critères que vous avez reçus de votre famille ? Voilà. Donc toutes ces questions-là, elles ne sont pas, elles sont applicables à toutes les personnes qui s'y intéressent. En fait, en réalité, il n'y a pas du tout d'exclusion. C'est au contraire quelque chose qui n'exclut personne. Et l'année dernière, j'ai publié mon premier roman sur
justement le parcours d'une jeune fille d'origine asiatique sino-cambodgienne qui découvre, qui fait le chemin de sa quête identitaire et donc qui va découvrir des choses sur sa famille, puisque quand on est sino-cambodgien, c'est quelque chose que j'ai constaté par rapport au traumatisme qui est lié au conflit des années 70, au conflit au pluriel, du coup, 60-70, qu'il y a une part de transmission qui ne s'est pas faite, parce que c'était la volonté de mes parents de me protéger par rapport à ce qu'eux avaient vécu. Donc, et je sais que c'est quelque chose qui se fait dans beaucoup de familles cambodgiennes, vietnamiennes, arméniennes, enfin bon, toutes les familles qui ont vécu des conflits très très difficiles, de ne pas être à un moment dans sa vie où on peut en parler à ses enfants. Parce qu'on n'est pas prêt, ou on ne sera peut-être jamais. Donc moi, en tout cas, mes parents, c'était cela, c'était qu'ils ne pouvaient pas m'en parler. C'est quelque chose de trop difficile pour eux. Et donc je n'ai pas reçu cette transmission. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma famille. Eux-mêmes, d'ailleurs, ne le savent pas. Donc c'est quelque chose, c'est un deuil impossible qui n'a pas été fait, puisque, voilà. Donc comment on fait pour se connaître quand on n'a pas cette pièce manquante? D'ailleurs, la pièce manquante, c'est le titre d'un film de Ritipan. C'est pas la pièce manquante, c'est un truc comme ça. Enfin, c'est un truc... L'image manquante, merci. Ouais. Parce que effectivement, il y a cette image qui manque dans ma vie. De où sont, comment sont morts mes grands-parents? Où ils étaient? Comment ils ont vécu? Est-ce qu'ils ont souffert? Voilà, toutes ces questions qui sont très, très, très intimes et très, très personnelles et qui me touchent énormément. Comment on fait pour se construire quand on n'a pas la réponse à ça et qu'on ne l'aura jamais? Et donc, l'effort de mémoire, il est là. Il est, enfin, je dis que c'est un effort parce que j'ai été chercher cette réponse. Alors, je ne l'ai pas trouvée, mais j'ai trouvé des réponses, des personnes qui se sont exprimées sur la question, pas mes parents, mais d'autres personnes. Et à partir de leur expérience, j'ai fait mon canevas, je me suis dit, bon, bah voilà, il y a des grandes chances qu'il se soit passé ça. Ils sont morts sur les routes, ou ils ont une maladie, voilà, ça en était fini d'eux. Et donc, ça m'a permis de l'effort collectif, en fait, des Cambodgiens et des Sino-Cambodgiens, m'a permis à moi de faire mon propre deuil, en fait, de ne pas savoir ce qui est arrivé à ma famille. Et donc, du coup, la transmission se fait auprès de mes enfants, c'est-à-dire que, de toute façon, ça continue. Hein, donc, j'ai essayé de leur transmettre cette histoire qui m'a manqué. Et j'essaye aussi de leur transmettre donc, toutes ces représentations qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on nous montre, puisque... Je pense que ce qui est important aussi, c'est moi, ce qui m'intéresse dans la transmission, c'est c'est-à-dire que c'est très politique tout ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de politique dans les représentations. Le soft power, l'impérialisme culturel, il est présent. C'est-à-dire que ces visions uniques que vous avez, que moi j'ai, des autres, elles sont véhiculées, elles sont présentes, elles sont partout. Et comment faire, même aujourd'hui, hein, c'est juste encore très présent, comment faire lorsque les médias sont interpellés par le fait que des vignobles bordelais sont rachetés par des Chinois ou par des Qataris, mais qu'en fait, quand c'est des Américains qui les possèdent, c'est beaucoup moins gênant, en fait, finalement. Donc ça, c'est une question politique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'image des personnes asiatiques qui rachèteraient un vignoble bordelais, ce serait la fin, tout fout le camp, voilà, ce sera jamais pareil, ils ne feront pas le vin de la même manière, alors que si depuis 1945, c'est opéré par des personnes d'une autre nationalité, ce n'est pas du tout un problème. Voilà, pourquoi est-ce que ces personnes-là, pourquoi est-ce que les représentations des Chinois en particulier, ou des migrants, ou des personnes qui souffrent d'un déficit de représentation dans l'espace collectif, ça peut porter atteinte aux personnes en tant qu'individus et à nos parcours. Donc voilà, je terminerai pour dire que c'est quelque chose de difficile de changer les représentations, que souvent, les premières personnes qui sont dans mon champ de vision et qui me sont des obstacles, c'est les personnes de mes propres communautés. Parce que ces images-là, elles sont aussi ancrées au sein de nos familles, de nos proches, de nos amis, et que le travail est donc assez douloureux,
puisque c'est une chose que d'être sur Twitter et de tweeter, c'est autre chose que de se disputer autour d'un repas avec sa belle-mère ou avec sa tante. Et c'est des choses qui sont difficiles. Et que parfois, c'est beaucoup plus simple d'être dans le de me dire, écoute, c'est pas grave, on s'en fiche en fait de ce qu'elle pense, et que l'important c'est que le travail, enfin le travail que je fais avec mon livre, avec ma web série ou avec mon blog, ou avec soit quelque chose qui perdure. Voilà. Merci. Merci pour ce témoignage. J'ai une petite question, comme je fais habituellement, de crainte que je l'oublie après, lorsque je lance le grand débat. Ces trois parts de votre identité, une part chinoise, une part française, une part asiatique du Sud-Est, bien sûr, la question que je me pose, est-ce que sur le plan individuel, personnel, sur cette identité personnelle, individuelle, est-ce qu'elle est, comme on dit jusque-là, comme on semble percevoir jusque-là, c'est que est-ce que ces trois parts-là sont à cheval, à la croisée de trois cultures, assis entre trois cultures, écartelées, divisées, voilà, tout ce discours-là, ou alors, est-ce que ce n'est pas successivement ces trois parts-là, c'est-à-dire que, voilà, pour aller vite, c'est que, bon, quand vous êtes dans un groupe de Chinois, vous êtes chinoise. Dans un groupe de Français, vous êtes française, et puis en Asie du Sud, vous êtes française. C'est successivement, c'est pas les trois à la fois, c'est par la croisée, vous n'êtes pas à cheval entre ces trois cultures, mais dans cette identité personnelle, ces trois parts-là sont successivement, selon les lieux, selon la situation, selon le contexte, etc. etc. Hein, d'accord, on va revenir, je vais poser la question, mais pour lancer le débat tout à l'heure. Alors, nous avons donc une dernière intervention. J'ai présenté tout à l'heure, je vous ai présenté M. Wang Zhongnan. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre expérience sur cette éducation franco-chinoise des enfants? D'accord. Oui, merci. Oui, merci pour la présentation et merci de l'invitation de Simon. Maintenant, je fais ma thèse au rapport les enfants de couples mixtes franco-chinois. Et après, c'est pour moi, mais en sociologie. Et après, pour sociologie, la mixité, c'est une conception, c'est un peu flou. Et après, par exemple, on peut dire la mixité de différentes cultures, différentes langues, différentes religions, mais quand même, c'est-à-dire un homme marié avec une femme, c'est déjà la mixité du genre, voilà. Mais pour moi, c'est-à-dire, on dit l'enfant mixte franco-chinois, c'est plus on dit la nationalité, la différente nationalité. Et aussi, c'est rattaché un petit peu, c'est-à-dire, on dit, par exemple, il y a beaucoup de peuples de Wenzhou. C'est souvent le père est nationalité chinoise et la mère a eu nationalité française, mais ils ont marié, mais quand même on peut dire au niveau de nationalité c'est couple mixte, mais quand même c'est pour ma recherche, c'est pas le principal de ma recherche, c'est plus faire la recherche sur le couple mixte de exogamique, c'est-à-dire le différent vient de différentes cultures, vraiment c'est différentes cultures, différentes langues, voilà. Et après, ce matin, j'écoutais, c'est Wang Jue. Wang Jue, il a dit, voilà, il posait une question, c'est au rapport pourquoi, c'est-à-dire on peut souvent croiser, c'est-à-dire une femme asiatique avec, voilà, un homme européen, quoi. Après, il a dit, il a vu la statistique aux États-Unis, c'est ça? Il y a trois fois de l'homme américain avec femme asiatique que l'homme chinois avec voilà. Et après, mais quand même, c'est dit en France, on dit c'est la statistique au rapport ethnie, c'est interdit. Mais quand même, pour Yinse, il y a le résultat de statistique au rapport de nationalité. Et après, c'est plus que américain. Par exemple, il y a 10 fois de, comme dire, 10 fois de. C'est-à-dire un mari français, femme chinoise, que le mari chinoise, femme, mari chinois, femme française.
Voilà, c'est à 10 fois d'écart. Et après, je ne sais pas, mais peut-être pour la future, c'est une problématique pour la recherche. Mais maintenant, c'est plus compliqué parce qu'au début, je crois, voilà, c'est peut-être au rapport économique. Par exemple, la Chine, c'est comme un pays de développement, quand même, c'est la France comme un pays de développé. Peut-être entre couples, au rapport de domination masculine, au niveau de économique, peut-être plus facile, c'est-à-dire en l'homme, plus il y a avantage économique, c'est plus facile de marier avec une femme. Ils ont moins d'avantages au niveau économique. Mais quand même, si on voit les statistiques, même statistiques de l'INSEE au rapport au couple japonais, mais par exemple, le japonais, c'est un pays développé. Et après, c'est-à-dire, c'est plus fort que la Chine, parce que c'est dizaines de fois de femmes japonaises mariées avec français que, voilà, c'est que l'inverse. Et aujourd'hui, moi, c'est pour rapprocher aujourd'hui le thème au rapport de transmission. Mais moi, c'est plus, je veux bien présenter un petit peu le travail sur, c'est-à-dire comment faire la transmission de la langue chinoise dans les familles de couples mixtes. Voilà. Et par exemple, pour les familles qui, mais c'est bien sûr, c'est une recherche sociologique. Je dépends beaucoup de théories de Pierre Bourdieu. Au rapport à la conception de capital culturel, je veux bien utiliser la conception de capital culturel, expliquer toutes les activités de cette transmission. Et je considère la langue chinoise comme une capital culturel dans la famille, pour le couple mixte. Et pour les familles qui ont un capital culturel élevé, mais bien sûr, même si c'est l'immigration chinoise et mariée avec les Français, quand même, c'est chaque famille, ils ont différents capitaux culturels. Et pour les familles qui ont un capital culturel élevé, on peut souvent voir un plan éducatif plus clair. Et aspect domestique de la transmission de la langue est juste une partie du plan global. Mais on ne peut pas dire que la pratique de cette transmission en soit plus forte et fréquente. Elle ne dépend pas du capital culturel, même si la langue est un signe important de l'éducation. Et la langue chinoise, parfois, par rapport à la langue française, jouait parfois un rôle secondaire. Par exemple, quand j'ai fait l'entretien, il y a beaucoup de familles de couples mixtes, ils ont eu un problème, mais par exemple, c'est les enfants qui grandissent dans un environnement de bilinguisme, c'est souvent, ils parlent plus tard que l'autre enfant. C'est souvent 2 ans ou 2 ans plus encore, ils ne savent pas comment c'est-à-dire bien parler, ou au rapport aux syllabes, la prononciation de syllabes, toujours les enfants ils ont problème de ça. Mais peut-être c'est le domaine de neurolinguistique, mais moi, mais minimum pour mes entretiens, mais j'ai eu beaucoup de problèmes au rapport à ça. Et si les parents ils ont eu le problème de ça, c'est souvent, c'est presque tous les parents, le premier choix, c'est-à-dire arrête, par exemple les mères chinoises ou le père chinois, ils ont arrêté par le chinois avec l'enfant dans la famille. Voilà. C'est plus le chinois, c'est jouer un rôle de sacrifier pour les enfants pour bien parler français et pour bien réaliser le processus d'éducation. Par exemple, de 3 ans, aller dans l'école primaire en France. Et après, souvent, les parents ils s'inquiètent, est-ce que les enfants peuvent communiquer normal avec l'autre enfant français. Voilà. C'est pour ça que c'est souvent la première. C'est on arrête la transmission de la langue chinoise. Pour la transmission de la langue chinoise, beaucoup d'idées des parents n'étaient pas réalisables, car elles dépendent de la volonté des enfants. Et surtout, la volonté des enfants, c'est plus sensible et plus fragile. C'est souvent, on peut voir un enfant de couple mixte, dans les entretiens, il m'a dit, voilà, quand j'étais petit, j'ai vu quelques reportages sur la Chine au rapport aux politiques, la pollution, le reportage sur la télévision de stigmatisation au rapport à la Chine. Après, je n'ai pas envie de parler chinois. Ou les parents disputent au rapport politique de la Chine ou quoi, et après l'enfant, et après tout de suite, il n'a pas envie de parler chinois. C'est plus sensible pour les enfants. Les parents chinois considèrent la langue chinoise par rapport à la langue française comme un supplément
qui nécessitent du travail et des efforts pour leur enfant et ne veulent pas les forcer. Ils portaient beaucoup leur attention sur cette volonté de ne pas obliger leur enfant car il est présence d'une caractéristique d'éducation chinoise. Et cette tendance à contraindre les enfants. Et ils souffrent de cette stigmatisation qu'ils mettent eux-mêmes en place. Et ils font alors encore plus attention à ne pas plier à ce jugement social, à tel point qu'ils demandent un peu de l'effort de la partie de leurs enfants, sont peu stricts avec eux. Ainsi, pour réaliser leur stratégie éducative et provoquer un intérêt de leur enfant par rapport à la langue chinoise, ils doivent faire attention aux éléments qu'ils représentent et sélectionner ce qui pourrait susciter l'envie d'apprendre de leur enfant. Ils choisissent des livres, programmes de télévision, animations, films ou pratiques culturelles bien pour leur enfant et leur estimation de ce qui est bien dépend de leur propre éducation de l'origine sociale. Par exemple, il y a certains parents, ils ont plus haut niveau de capital culturel, ils ont eu plus d'éducation supérieure. Ce sont les parents qui font attention de choisir les livres manuels chinois pour leur enfant. C'est plus récent. C'est sur l'internet. Et après, il y a beaucoup de sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos de renseignants chinois. Après, les parents, ils ont sait comment utiliser les réseaux modernes pour chercher la source de pédagogique pour la langue chinoise. Mais on a aussi, j'ai vu certains parents, ils tournaient toutes les animations, c'est les années 80 ou 90, les animations chinoises, voilà, parce qu'ils croient c'est bien. C'est les animations qu'ils ont vues, ils pensaient bien, après ils offrent à leur enfant. Et après, ils n'ont pas beaucoup de, comme dit, il n'y a pas beaucoup d'études sur l'éducation à leur enfant. C'est juste, ah, je crois, c'est quand j'étais petit, je regarde ça, et après, mon enfant, peut-être, il aime bien la même chose. Voilà. Et il existe une distinction sociale dans ce choix des parents. Et le voyage en Chine font parfois partie de cet essai de donner envie aux enfants de pratiquer le chinois. Il dépend aussi de l'institution scolaire pour renforcer la légitimité de la langue chinoise. Et aussi, c'est pour le voyage, c'est comment jouer un rôle plus important pour la transmission de la langue chinoise. Parce que c'est aussi, c'est pour changer la volonté de l'apprentissage de la langue chinoise pour l'enfant. C'est souvent les enfants pour l'été, c'est comment passer la vacance en Chine pendant 2 mois ou 3 mois. Et après, les enfants peuvent jouer avec les enfants de leur famille, de grandes familles, le cousin, cousine. Et après, bien sûr, seule langue qu'ils peuvent parler, c'est chinois. Et maintenant, surtout, ils peuvent trouver beaucoup de choses intéressantes en Chine. Par exemple, il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de salons de jouets, voilà. Et c'est pour ça qu'ils peuvent changer un petit peu de volonté pour apprendre chinois ou approcher la Chine et comprendre mieux la Chine. Et surtout maintenant, parce que j'ai fait ma recherche sur les enfants mixtes, c'est plus pour la nouvelle génération. C'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire plus grands de 20 ans, c'est moins de 30 ans. Et pour leur génération, le trafic en Chine, c'est plus facile. Au rapport, par exemple, il y a beaucoup de communication entre la Chine et la France. Bien sûr, il y a le changement de billets d'avion parce qu'il y a plus fréquent de vols. Bien sûr, il y a beaucoup de promos. Et aussi, c'est au rapport leur visa de voyage. Mais avant, peut-être pour les enfants, ils ont besoin de demander de visa, de tourisme, l'autre chose. Parce que pour identité, les enfants mixtes franco-chinois, c'est souvent on considère qu'il a eu la nationalité française. Parce que pour le gouvernement chinois, les enfants nés en France et un des parents est française. C'est-à-dire que les enfants, le gouvernement chinois considère les enfants et il a eu la nationalité française automatiquement. Voilà. C'est pour ça avant, ce n'est pas très facile. C'est-à-dire c'est toujours à besoin de demander visa et quoi. Et maintenant, depuis 2015,
le gouvernement chinois, ils ont offert une certificat de voyage. C'est une certificat, c'est-à-dire que les enfants peuvent demander dans l'ambassade de Chine. Et après, avec ce certificat, comme un petit passeport, pendant 2 ans, il y a l'autorisation pendant 2 ans, les enfants peuvent voyager n'importe combien de fois en Chine. Voilà, c'est plus facile pour les enfants de voyager en Chine les parents peuvent réaliser leur stratégie de pédagogique pour les enfants plus proches de la Chine. Et aussi, c'est sur l'institution scolaire. L'école est une institution de la socialisation qui construit un norme scolaire de manière systématiquement et qui propose la culture la plus légitime. Mais cela influence sur les normes domestiques des familles mixtes franco-chinoises et elles perdent leur habitus linguistique chinois. En même temps, les parents du couple mixte pour permettre à leur enfant d'obliger l'avantage scolaire, changent leur stratégie éducative domestique en les rapprochant de la langue française. Le système scolaire renforce le système des connaissances des enfants et leur capacité en langue française. Ce qui influence de nouveau l'éducation domestique des enfants. Par exemple, les lectures domestiques ou les médias, ils sont de plus en plus dominés par la langue française. La langue chinoise va perdre de sa légitimité dans la stratégie éducative du couple mixte. Les parents de couple mixte dépendent de l'Institut Confucius ou l'autre. L'Institut Confucius, c'est un institut pour donner le cours chinois, ou les autres écoles de la langue chinoise pour établir la légitimité de la transmission de la langue chinoise et obtenir un capital culturel basé sur la langue chinoise. Par exemple, on dit le capital culturel, il y a 3 types de capital culturel. On dit le capital culturel diplômé, c'est-à-dire on a eu un diplôme de doctorant, master ou sur certaines capacités, par exemple le diplôme de la langue, c'est renforcer la légitimité de la langue chinoise. Par exemple, l'Institut Confucius, ils ont toujours organisé l'examen de HSK, c'est un examen pour la langue. Et pour certaines familles de couples mixtes, ils veulent les enfants passer le concours de l'examen de HSK. Et en même temps, c'est comment une chose pour comparer entre les familles de couples mixtes. C'est souvent, mon fils, il a le niveau 4, et ma fille, il a le niveau 5. Il y a un petit peu concurrence entre les parents au rapport à leur niveau de langue chinoise de leur enfant mixte. Et après, aussi, à Paris, par exemple, c'est aussi un grand centralisme au rapport à la source de pédagogique. Par exemple, à Paris, en total, en France, il y a 16, je crois que c'est 16, l'Institut Confucius. À Paris, l'île de France, il existe 3. Le centre de la culture chinoise, et l'autre, c'est Paris 7, Université de Paris 7, Paris 10. Voilà. Et il y a beaucoup d'associations, ils ont offert le cours chinois pour les enfants chinois, seconde génération d'immigration chinoise, et aussi c'est pour les enfants de mixte. Mais quand même, dans l'autre part, les parents veulent aussi dépendre de l'éducation nationale pour transmettre la langue chinoise, mais ce type de l'éducation est établie pour les étudiants français en général ne correspond pas aux besoins éducatifs des parents chinois pour transmettre leur langue maternelle à leur enfant. C'est souvent, par exemple, pour LV3, pour le lycée, par exemple, le cours LV3, LV2 pour le lycée, c'est souvent, on commence par Nihon. Bonjour, au revoir, toutes les choses simples. Mais bien sûr, pour les enfants de couple mixte, c'est presque inutile. Mais quand même, il y a beaucoup de parents qui demandent à leur enfant suivre le cours de LV3 ou LV2 dans le lycée ou au collège, parce que c'est une stratégie pour choisir meilleur lycée. Par exemple, c'est souvent quand les enfants veulent entrer à un lycée, les parents, c'est-à-dire qu'ils n'habitent dans le même quartier de ce lycée, après il écrit une lettre, voilà, mon enfant, il a besoin d'apprendre le chinois.
Et votre lycée, il a le cours chinois. C'est pour ça que je veux notre enfant suivre le cours dans votre lycée. C'est plus jouer une stratégie comme ça. Et en même temps aussi, c'est à Paris, il y a 180 lycées et collèges. L'établissement secondaire, il offre le cours chinois de LV2, LV3. Et en même temps, pour mes entretiens, il y a beaucoup de couples mixtes, ils envoient les enfants suivre le cours. Même si le cours, c'est inutile quand même, c'est-à-dire les enfants suivent le cours pour entre une lycée, ils préféraient. Par exemple, c'est souvent dans le cours, quelquefois, je fais observation dans un lycée. Par exemple, s'il y a une classe, il y a les enfants, bien sûr, il y a les enfants deuxième génération des Chinois. Voilà, et il y a les enfants de couple mixte. C'est souvent leur niveau de langue chinoise, c'est super fort. Et après, le professeur, c'est souvent laisse les enfants à côté. Après, donner le cours de ni hao, xie à l'autre enfant français. Et après, l'autre enfant, mais vous pouvez ramener un roman chinois pour faire lecture ou préparer votre HSK de 6 ou 5, voilà. Ça se laisse à côté. Et après, c'est plus une stratégie de choisir lycée. Et pas une stratégie, ça ne fonctionne pas pour améliorer leur langue chinoise. Voilà. Et la langue chinoise peut être considérée comme un élément clé, est un indice de la reproduction de capital culturel au sein de ces familles. Il existe une stratégie éducative qui permet cette reproduction du capital culturel. Cette stratégie est liée au capital culturel déjà acquis par ses parents. Ces familles mixtes sont souvent sont dans des situations particulières. Ce n'est pas la meilleure reproduction du capital culturel qui les préoccupait en premier lieu. Mais le fait de choisir que capital culturel sera meilleur pour leur enfant. Ce choix se fait parfois de manière intentionnelle, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Cependant, il est toujours influencé par le contexte social dans lequel vivent les parents. Quand les parents mettent en place une stratégie éducative de transmission de la langue chinoise, ils essaient de transmettre en même temps un maximum de leurs deux cultures pour que leur enfant ait un avantage maximum et un héritage culturel franco-chinois. Comme le note de Bourdieu, la stratégie comme produit du sens pratique, comme sens du jeu, est un pouvoir d'adaptation aux situations mouvantes, avec son potentiel d'erreur ou inadaptation. Si on considère la stratégie dans ce sens, en tant que jeu, alors il existe des jeux plus ou moins faciles et celui des couples mixtes sont plus compliqués que pour un couple de personnes de même nationalité. En effet, en plus d'avoir de l'origine familiale différente, ils ont aussi de l'origine culturelle différente et doivent se comprendre, s'accorder pour transmettre une nouvelle culture franco-chinoise à leur enfant. Les parents chinois qui ont plus capital culturel du côté de la Chine ou lié à la langue chinoise ont le plus souvent des stratégies éducatives claires rattachées à des capitaux économiques et sociaux liés à leur pays maternel. Par exemple, il y a beaucoup de parents maintenant, je fais l'entretien, beaucoup de parents, ils choisissent les enfants faire l'école commerce. C'est-à-dire maintenant il y a beaucoup de l'école commerce en France, ils ont installé le campus en Chine, où il a stage en Chine. Et après, c'est-à-dire pour l'enfant, c'est souvent, c'est-à-dire les parents de mix veulent les enfants choisir l'école comme ça,
profite, c'est-à-dire leur réseau en Chine, par exemple, peut demande l'oncle ou le tata de l'enfant qui est en Chine pour chercher une stage pour leur enfant ou travaille dans une entreprise de sa famille en Chine. Voilà. Et après, c'est plus pour profit le réseau. Alors, les Chinois, c'est-à-dire les Chinois qui ont plus de capital culturel, économique et social, ont plus de capacité pour s'adapter à l'environnement mouvant et ont la meilleure chance de réussir. L'environnement mouvant pouvant se définir par des déménagements potentiels entre les deux pays si nécessaire. Parce qu'il y a aussi beaucoup de familles, ils ont déménagé pour l'éducation pour l'enfant. Et aussi, l'environnement mouvant pouvait être défini par des déménagements potentiels entre les deux pays, si nécessaire, un environnement domestique à culture mixte et un environnement basé sur la politique d'intégration par l'école française. D'un marché du travail futur international pour les enfants, tous ces éléments fournissaient des avantages aux enfants du couple mixte. Les enquêtes rencontrent ont tous au moins de expériences professionnelles ou scolaire international. Il maîtrisait, j'ai dit, les parents chinois, il maîtrisait tous au moins deux langues, voire trois pour certains. De plus, ils ont déjà d'expériences de reproduction de capital culturel dans deux environnements culturels différents et dans au moins deux langues, et donc de capacité à mettre en place des stratégies de reproduction du capital culturel, à la fois en France et en Chine. Ils transmettent par la suite ce labidus à leurs enfants, qui deviennent à leur tour plus disposés aux cultures françaises et chinoises. Et leur stratégie future d'entrée sur le marché du travail par leurs enfants sont alors moins limitées par les fonciers. Si on considère le couple enquêté, ils sont déjà le produit du champ scolaire et professionnel global. Leurs stratégies éducatives ont pour but de renforcer l'enfant et leur permettre de prendre un avantage dans le champ global. Ils veulent permettre à l'enfant d'avoir double avantage dans le pays de chacun de leurs parents et non pas une double absence comme en Sayad. Parmi les personnes chinoises mariées à des Françaises, il existe différentes stratégies de transmission de la langue chinoise. Ces différences sont liées au capital culturel de chaque couple et à la constitution des familles, c'est-à-dire aux relations entre les deux parents et au point de vue de chacun sur la culture de l'autre. Ces éléments influencent la stratégie de transmission de la langue chinoise et sa pratique. Et en même temps aussi, il y a un jeu au rapport du genre, c'est jouer dedans. Voilà, merci. Regardez, merci pour ces résultats de vos enquêtes sur ces stratégies donc, dans la transmission de la langue chinoise aux générations suivantes. La question que je me pose, est-ce que cette transmission ne s'effectue pas dans les milieux plutôt favorisés, à capital culturel élevé et qu'est-ce qu'il en est de l'autre côté alors? Est-ce que de l'autre côté, c'est-à-dire les milieux socioculturels à capitaux culturels ou sociaux moins élevés ou alors défavorisés, qu'en est-il quoi, de cette transmission-là, de cette volonté de transmission? Est-ce que cette volonté de transmission, si elle existe, est-ce qu'elle n'est pas liée aussi, par exemple, je donne une idée comme ça qui me vient à l'esprit, est-ce qu'elle n'est pas liée à la position de la Chine d'aujourd'hui, Chine développée, etc. Voilà. Est-ce qu'elle n'est pas liée à cette position de la Chine qui a rejoint aujourd'hui le cancer des nations? Enfin, c'est une des questions que je me pose. Non. Donc, on va passer au débat. Nous avons
trois quarts d'heure. Hein, donc, trois quarts d'heure, vous avez rattrapé notre retard du fait qu'il y a un intervenant de moins. Avant de donner la parole à l'auditoire, je voudrais qu'on revienne un peu hein, sur chaque question que j'avais suscitée à la fin de chacune de vos interventions. Madame Bouy, si les récits américains, les films américains, si les musées n'ont pas permis à vous de retrouver cette mémoire, de vivre cette mémoire, parce que vous ne voulez pas effectuer ce transfert à travers ces récits, ces musées, ces films américains, sur votre propre histoire, c'est-à-dire propre histoire, l'histoire de votre père, hein, que vous recherchez, donc un peu le parcours antérieur dans le passé, ce refus de transfert à travers ces... C'est une substitution. Non plus. Justement que en fait ces récits ne correspondent pas. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est pas un refus de transfert, c'est qu'en fait c'est une impossibilité parce que c'est impossible, je pense, pour des gens qui sont c'est impossible pour nous de nous reconnaître dans ces films, dans ces livres, parce qu'en fait ces films et ces livres sont racontés. Là, je prends l'exemple de Voyage au bout de l'enfer ou de Platoon, sont racontés d'un point de vue américain. Donc ce n'est pas notre histoire. Donc en fait, certes, ils parlent de la guerre de Vietnam ou d'autres choses, mais avec un autre point de vue qui n'est pas le nôtre. Et il y a même une captation en fait de cette histoire, puisqu'en fait c'est un discours qui est devenu dominant d'un point de vue culturel. Donc c'est pas un refus de transfert, parce qu'évidemment en fait quand j'ai tenté, mais comme beaucoup d'autres personnes, de m'intéresser à cette histoire, donc j'ai d'abord eu accès à ces œuvres culturelles, ces films et ces livres, parce que d'autres aujourd'hui, ça a un petit peu changé, mais justement, il y avait moins de romans ou de récits qui étaient écrits avec d'autres points de vue. Donc, j'avais qu'un seul point de vue et c'était impossible pour moi de m'y reconnaître. Mais je souligne que ce n'est pas un refus de transfert. J'ai tenté, je me suis renseignée là-dessus, sauf que voilà, ça ne correspondait pas à l'histoire de mes parents, ça ne correspondait pas à notre histoire. Et voilà, je pense même que c'était une captation. D'accord. Donc... Moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Madame Dohan-Bouy, c'est que par rapport à l'héritage khmer, il y a aussi eu cette impossibilité, c'est-à-dire que le premier film qui a été fait sur le génocide des Khmers rouges, c'était La Déchirure en 83, qui était l'histoire d'un journaliste américain blanc qui était coupable, il sentait coupable d'avoir abandonné son acolyte cambodgien aux mains des Khmers rouges. Voilà. Donc c'était une histoire qui n'était effectivement pas celle du peuple cambodgien, c'est-à-dire qu'on peut pas, enfin cet homme qui vient d'ailleurs et ce sentiment de culpabilité qu'il peut ressentir, c'est en aucun cas ce qui s'est passé, en tout cas, enfin pour lui peut-être, mais tout un peuple, on peut pas résumer l'histoire d'un peuple dans cela. Et pendant très longtemps, je n'avais pas du tout, il n'y avait pas d'accès en fait à l'autre côté du récit, c'est-à-dire que des personnes, et d'ailleurs, les films que vous citez, ils sont avec des personnages américains. Blanc ou pas blanc, peut-être noir, enfin je dirais GI de toutes les couleurs, hein. Mais en tout cas, les personnages vietnamiens n'ont pas de nom, ils n'ont pas de rôle, ils n'ont pas de consistance, leur histoire n'est pas racontée. On ne parle que d'une victoire, enfin des défaites dans ce cas-là, mais que du point de vue d'un seul parti. Et c'est pour ça. C'est vrai que souvent dans ces films, ils sont déshumanisés, parce que. Quelquefois, d'ailleurs, c'est assez drôle, les figurants qui sont censés parler vietnamien ne parlent même pas vietnamien. En fait, ils parlent une espèce de sabir parce qu'ils n'arrivaient pas tout le temps à trouver assez de figurants vietnamiens. Donc, en fait, et du coup, vous êtes vietnamien. Vous voyez les gens qui sont censés jouer les vietnamiens, qui ne parlent même pas vietnamien, qui parlent une espèce de charabia incompréhensible, un mélange de... Voilà, parce qu'on leur a dit de faire semblant d'être vietnamien. Donc, en fait, oui, c'est... Et je pense que ça sera la génération d'après de réutiliser ce récit et de proposer d'autres histoires aussi. Voilà, et c'est pour ça que les représentations des personnes issues de l'autre côté du récit, c'est-à-dire il en existe beaucoup maintenant des personnes cambodgiennes qui racontaient leur histoire et qui ont du coup proposé une autre représentation de ces conflits, comment ils ont été vécus et aussi de leurs descendants.
Je voulais juste rajouter par rapport, effectivement, à l'absence de témoignages directs de l'autre côté, du côté asiatique. Il y a les Américains aussi. Enfin, quand vous parliez tout à l'heure, Monsieur Liv, de passé imprévisible, les Américains, par exemple, dans Full Metal Jacket, c'est quand même autre chose, la vision de Kubrick, qui montre aussi, là, donc, on est moins dans le camp des 20... Enfin, même si c'est une guerre perdue pour les Américains, mais c'est effectivement aussi toute une mythologie qui se construit. Donc c'est ce qu'on disait un peu sur la transmission. C'est-à-dire que les Américains, après, il y a des films de propagande, et effectivement, voilà, et il faut du temps, je pense, enfin voilà, pour que le film de Full Metal Jacket, par exemple, montre aussi le côté beaucoup moins glorieux, absurde, ridicule et dégueulasse, entre guillemets, des Américains au Vietnam. Quoi. Mais en fait, là, c'est pas du tout un jugement de valeur sur ces œuvres. Hein. C'est-à-dire qu'elles peuvent être, tout comme La Déchirure, c'est un point de vue intéressant. Et ce ne sont pas souvent, d'ailleurs, les grandes œuvres, comme Platoon et autres, ne sont pas univoques. En fait, elles ne racontent pas une Amérique flamboyante. Mais même si vous prenez le dernier documentaire qui est sorti, Apocalypse, qui est excellent, néanmoins, je trouve que les témoignages les plus forts, c'était quand même les témoignages des GIA. Ils ont eu un meilleur accès, en fait, parce que c'était via leur contact, ils ont eu une meilleure histoire racontée via cette histoire. Et du coup, c'est ça qui est ressorti. Et là, je pense qu'il y a encore un énorme travail pour justement aller pêcher ces histoires, peut-être qui soit n'ont pas été racontées, soit n'ont pas été entendues. Voilà, c'est juste ça, c'est cet autre côté. Pareil pour Dien Bien Phu. Hein. Moi j'ai vu Indochine quand j'étais plus. Enfin, Indochine, ça raconte pas. Enfin, c'est hyper étrange comme vision même de la guerre entre la France et le Vietnam. Donc voilà, qui a raconté cette guerre de l'autre côté, voilà, ça reste encore à faire. Et même quand on sort de les situations de guerre, je vais citer l'œuvre L'Amant. Qui a été une œuvre majeure de la littérature française, parce qu'elle a été primée. Marguerite Duras, c'est l'une des plus grandes écrivaines françaises, donc elle a écrit comme trois œuvres sur son passé en tant que personne française dans les colonies, enfin au Vietnam ou au Cambodge, les deux. Enfin, et ce récit, pendant longtemps, elle a constitué la seule vision. Donc je voudrais déjà dire que le récit de Marguerite Duras, et c'est pas encore une fois un jugement sur la personne qu'elle a pu être ou l'écrivain qu'elle est, c'est que c'était une personne blanche dans les colonies, pauvre. Et c'était déjà une exception, puisqu'il y a beaucoup plus de personnes pauvres asiatiques, locales, que des personnes blanches locales. Et donc en fait, on s'est focalisé sur l'expérience d'une personne, de cette personne-là, pour raconter les colonies et comment elle voyait du haut de ses 13 ans quelque chose. Donc, et pendant des années et des décennies, on est resté sur ce récit-là. Et d'où l'importance de proposer d'autres récits qui pourront du coup rendre cette image beaucoup plus complexe et beaucoup plus humaine. Je crois qu'on a mis les pieds dans le plat. Dans le plat. Non, mais parce que je reviens à ce que je disais, que le passé peut être imprévisible. Mais alors, lorsque dans cette impossibilité, donc c'est de s'identifier à ces faits historiques qui sont des fictions, hein, que ce soit Apocalypse Now, Patton ou Kubrick. Full Metal Jacket, etc. Ce sont des fictions, ce sont aussi des fictions, ce sont aussi des mémoires, et que si on se base aujourd'hui, hein, c'est la question que je me pose, c'est une des problématiques, si on se base aujourd'hui sur la mémoire des individus, la mémoire individuelle, personnelle, qui, en les assemblant, en les collectant, forme des identités collectives, les mémoires individuelles contribuent à la mémoire collective. Mais c'est ce que je disais, je posais aussi la question au début, la mémoire est sélective, la mémoire peut nous mettre dans l'embarras, peut nous mener ailleurs, parce qu'on est sur des réminiscences. Est-ce que cette mémoire-là ne peut pas cacher notre mémoire? Est-ce que ces souvenirs ne peut pas cacher d'autres souvenirs. Voilà, si on reconstitue à partir des mémoires individuelles pour avoir cette mémoire collective, on a un peu ce risque aussi de cette mémoire qui peut nous fausser compagnie, qui peut, voilà, etc., etc.
pose la question. Moi, je pense que la sélectivité de la mémoire de Hollywood et du cinéma et de l'industrie du divertissement, elle va toujours dans le même sens. Donc ensuite, il y a une question de rapport de force ici. C'est-à-dire que quelle est l'histoire qui sera la plus racontée ? Donc c'est pas pour dire que les récits n'existent pas, mais moi, je n'y ai pas accès. Dans la rue, on me parle peut-être plus avec des interpellations tirées de Full Metal Jacket. Moi, je me rappelle de cette scène très, très vive où il y a une personne asiatique, l'une des rares personnes asiatiques dans le film, qui est une femme et qui est une prostituée, à qui on dit $5, $5. Et c'est une scène qui a marqué des femmes d'une génération parce que c'était la seule représentation de ces femmes-là. Et évidemment, à côté, vous avez des récits, les mémoires de Ho Chi Minh, vous avez beaucoup de choses qui existent. Mais est-ce que le grand public a accès à ces textes, à ces œuvres, et voilà, et cette machine qui est le soft power, hein, c'est-à-dire ces représentations qui sont moulinées depuis le début de la création du cinéma. Je pense au visuel, parce qu'on est dans une société très visuelle, hein, aujourd'hui. Vous consommez énormément de choses visuelles sur votre téléphone, sur votre télé, etc. Voilà, elle est là, la clé de l'inversion, enfin, de l'équilibre de ces récits. Il faut qu'on puisse trouver, nous, notre place. Et il faut se la faire. C'est pas qu'une question de « elle n'existe pas », c'est qu'une fois qu'elle est créée, même l'œuvre, elle a du mal à accéder aux personnes, à un public, à trouver son propre public. Je vais passer la parole au grand public avant de revenir sur l'intervention de Wang Zhongnan. Voilà, je crois qu'on est arrivé à une problématique, c'est que est-ce que le passé est imprévisible ? Je pose la question à l'auditoire, est-ce que à travers ces films américains qu'on a vus, ou Full Metal Jacket, mais je crois que le grand public ne connaît pas trop Full Metal Jacket, hein, donc ça reste à Paris quand c'est sorti dans des petits cinémas d'art et d'essai. Ça s'est passé à la télé plusieurs fois, etc. Mais le débat que je voudrais lancer, voilà, dans le grand public à partir de ces trajectoires, est-ce que le passé peut être imprévisible aujourd'hui ? Ce qui est le cas dans l'histoire. Hein. Dans l'histoire, on a toujours vu beaucoup de choses. Donc, la première question... Bonjour et merci beaucoup pour vos interventions. Mais j'ai plutôt une petite question avec mes expériences personnelles. Moi, je suis étudiante chinoise en France et j'habite depuis 4 ans en France. Je remarque, c'est juste mes expériences personnelles, c'est pas pour les Français en général ou les Chinois en général. C'est que quand je discute avec mes amis français ou des Français que j'ai l'occasion de rencontrer ou d'avoir des conversations, quand on parle de la France ou de la Chine, j'ai l'impression que les Français ont, beaucoup de Français ont un regard critique vis-à-vis de la Chine ou des Chinois, à part quelques Français que je connais qui étudient la langue ou la culture chinoise. Mais par contre, moi-même et beaucoup de mes amis chinois, quand on parle de la France, c'est plutôt de l'admiration. On pense tout de suite à la littérature, à la philosophie, à la civilisation, à la gastronomie, etc. Mais mes amis français me parlent souvent des moments sombres de l'histoire chinoise, ou bien les touristes chinois qui se comportent pas très bien à Paris, etc. Ce décalage entre mon propre regard admiratif vis-à-vis de la France et le regard plutôt critique de mes amis français vis-à-vis de la Chine me donne un sentiment un peu de frustration, de malaise. Donc, je suis très curieuse, j'aimerais comprendre pourquoi ce décalage de regard, ou est-ce que c'est en raison de l'éducation, c'est en raison de la mentalité,
de l'esprit critique des Français. J'aimerais comprendre pourquoi et comment je peux faire face à ce sentiment de frustration parce que je me sens un peu perdue. Mais j'aime beaucoup la France, mais je me sens un peu perdue, un peu frustrée. J'aimerais avoir vos avis. Merci. Ça mérite un autre colloque, une autre réunion. Merci pour la question, mais ça va plus être en rapport avec la transmission des mémoires. Déjà, merci de vos interventions à toutes et à tous. Je pense que c'est un sujet qui a déjà été abordé, surtout par Doan Bui et Grace Lee, sur le fait qu'il y a du coup un silence de la part des premières générations, donc des personnes qui viennent d'immigrer, donc des parents, etc. Et du coup, moi, je me posais la question du lien entre la transmission des mémoires personnelles, donc dans les familles, et de l'invisibilisation de nos histoires en général dans la société. Donc le fait que, par exemple, dans l'éducation, dans le système éducatif français, par exemple, on ne va pas forcément parler des guerres du Vietnam ou de la guerre d'Indochine, etc. Par exemple, moi, ma mère m'a jamais parlé de ça. Et avant de faire mes propres recherches personnelles, j'avais pas du tout conscience que ma famille était immigrée, était des boat people, etc. Depuis que j'ai découvert ça, etc., je me suis un peu résignée à ce que ma famille ne me parle pas de ça parce qu'il y a des traumatismes derrière et que c'est des choses qui sont évidemment très difficiles à aborder. Mais du coup, je me demande s'il n'y a pas aussi... du coup, maintenant, je me suis résignée à ça, mais je me demande aussi s'il y a pas, si on n'avait pas des formes de représentation et d'éducation du coup, diverses et une mémoire française qui met aussi en valeur des parcours très différents, des parcours d'immigration, de personnes qui sont aujourd'hui françaises, ça ne recréerait pas une forme de lien avec nos passés et nos mémoires, et du coup une forme de pont par exemple, maintenant je me dis j'ai pas forcément envie de parler à ma famille de ça parce que c'est des traumatismes que j'ai pas envie de réveiller, mais si jamais il y avait une mémoire collective qui était mise en valeur, je pense pas que ce serait un problème et que ce serait un manque pour moi d'avoir ce vide dans ma vie et dans mon identité personnelle parce que du coup il y aurait des formes de représentation et de légitimation de nos vécus aussi. Donc voilà. Merci. Bonjour, je suis une étudiante américaine et j'ai deux petites questions. La première, c'est à propos de ce sujet des récits qui manquent, le récit des autres au Cambodge et au Vietnam. Est-ce que vous savez si ces récits existent dans les pays mêmes? Parce que je comprends que les récits, le point de vue des Vietnamiens ou des Cambodges peut-être est beaucoup moins parlé ici en France, mais en Vietnam et en Cambodge, est-ce qu'il y a des œuvres ou des recherches sur leur propre expérience, de leur témoignage de première main? Et la deuxième question, c'est est-ce que... Je me demande pourquoi c'est maintenant, c'est 2019, que c'est un colloque comme celle-ci autour des expériences vécues des Asiatiques et pas pertinente, mais comme dit-on, visible, parce que j'ai pris le français depuis longtemps, la culture, l'histoire, tout ça, et la raison que je m'intéresse à ce colloque, bien sûr que je suis asiatique, mais aussi parce que je me suis rendu compte à travers mes études que l'histoire, la parole, les expériences des Asiatiques manquent beaucoup dans les études françaises. Donc pourquoi pensez-vous que c'est maintenant que tout ce que votre travail tout ça est très important et beaucoup plus visible, il me semble. Qui veut répondre à la première question?
Alors pour les œuvres, en fait, alors je ne peux pas répondre pour le Cambodge, mais pour le Vietnam, oui, parce que j'ai regardé. En fait, il y a eu évidemment des choses, Bao Ninh, Le chagrin de la guerre, c'est un grand classique, mais en fait, il y a eu le même problème d'empêchement de la mémoire, d'abord parce que c'est un régime communiste, donc il y avait le problème de la censure pour les écrivains. Donc finalement, même là, en fait, les récits n'ont pas été tant facilités que ça. Et de toute façon, même s'il y avait eu des récits, ce qui est intéressant quand je lis les récits du côté des Vietnamiens, par exemple, justement, sur Dien Bien Phu, il y a eu le récit des soldats vietnamiens de l'autre côté. Mais en fait, il manque toujours la partie de ceux de la diaspora, parce que ceux-là, en fait, ce n'est pas ceux qui sont restés au Vietnam. Donc finalement, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est comme s'il n'y avait qu'une petite partie du puzzle. Et du coup, on doit aller à la pêche pour rassembler tous ces récits. Et après, il y a aussi un problème de réception, comme l'a dit Grace tout à l'heure, qui est que, en fait, il y a certainement plein de récits. Je me rends compte, d'ailleurs, aux États-Unis, il y en a vraiment plein, mais beaucoup n'ont pas été traduits ou alors ont été. Il y a eu le sympathisant qui a eu beaucoup de succès, qui, même en anglais, on en a parlé, mais il y en a beaucoup d'autres dont on a beaucoup moins parlé. Donc finalement, en France, j'en parle même pas. Donc c'est un problème d'accès. C'est-à-dire que même si on s'intéresse et qu'on est soi-même asiatique et qu'on recherche ces œuvres, c'est pas si facile que ça d'y avoir accès. Il y a aussi, alors comme ça, je répondrai aussi à la première question par rapport à la vision de la France. Il y a un truc aussi qui est assez intéressant quand on compare les cultures anglo-saxonnes et la culture française, qui est ce que j'appellerais un peu l'universalisme, qui est qu'aujourd'hui, dans les cultures anglo-saxonnes, il y a un énorme intérêt, en tout cas, qui est porté justement pour ces autres voix qui écrivent en anglais, et qui racontent, voilà... le Nigeria qui raconte l'Inde, voilà, Jump Alairi, Chimamanda Ngozi Adichie, qui sont des écrivains qui écrivent en anglais. Hein. Et je pense qu'en France, on n'en est pas du tout à ce stade-là. On a, voilà, Zadie Smith, c'est une superstar et elle va parler d'une expérience anglaise qui n'est pas... que ce qu'on nous on dit on appellerait français de souche, anglais de souche. Donc il y a un truc de, je dirais, le centre, en fait. Pour nous, le centre, ce qui fait littérature et ce qui fait œuvre, c'est une certaine vision de la France et une certaine vision de l'identité nationale française. Et par rapport à la première question, madame qui se demandait, voilà, pourquoi, qui se sentait mal à l'aise par rapport à une vision parfois négative de la Chine venue de France. Effectivement, je pense que nous, en France, on a tendance à être peut-être un peu autocentré par rapport à une certaine vision de notre littérature, de nos œuvres. Et tellement autocentré qu'on ne se rend même pas compte qu'en fait, que notre identité nationale, elle est beaucoup plus diverse qu'on a envie de le faire croire. Enfin, je prends un petit exemple assez drôle, c'est que quand en fait j'ai sorti ce livre, Le silence de mon père, en fait j'ai souvent été, j'ai fait pas mal de salons et tout ça, et très souvent en fait j'étais invitée avec les auteurs francophones, donc on appelle francophones. Moi ça me faisait toujours bizarre qu'on me dise que j'étais francophone, puisqu'en fait je parle même pas d'autres langues, donc dire que j'étais, voilà, une écrivaine venue d'ailleurs. Et à chaque fois, en fait, il y a plein d'écrivains qui sont mis en catégorie francophone, alors qu'en fait, ils n'ont jamais écrit que en français, et que du coup, ils représentent autant la littérature française que d'autres, mais ils vont être considérés comme littérature francophone. Et ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, vous êtes américaine, c'est ça ? C'est que j'ai vu qu'aux États-Unis, ces mêmes auteurs, ils allaient représenter la littérature française. Et pour vous donner un petit exemple, un jour, il y a une chercheuse américaine qui est venue me voir et qui faisait son sujet de thèse sur... Bon, j'espère que j'ai le droit de le dire, mais bon, bref. Bon, en tout cas, qui s'intéressait à la nourriture chez les écrivaines d'origine vietnamienne francophone, voilà, qui écrivaient en français. Honnêtement, quand elle me dit ça au téléphone, je me dis, bah, dis donc, c'est hyper pointu. Et vraiment, je vous assure, c'est un peu un cliché, hein, mais je pensais vraiment qu'elle était vietnamienne et que c'est pour ça qu'elle s'intéressait à ce sujet. Et en fait, pas du tout. Elle n'était absolument pas vietnamienne.
Mais en fait, dans sa fac, elle est en Californie, du coup, on s'intéresse énormément à la littérature, donc ce que nous, on appelle francophone, en tout cas, mais qu'eux, ils ont mis dans la... En fait, au départ, ils avaient un département de littérature française, et finalement, pour attirer plus d'étudiants, ils se sont rendus compte que de l'élargir, à... ils arrivaient à avoir plus d'étudiants, parce que ça permettait de parler de plein d'autres problématiques, justement, la colonisation, enfin tout ça. Et du coup, en fait, elle s'est intéressée à ce petit sujet. C'était parce qu'elle savait qu'il y avait voilà, possibilité de vraiment faire des recherches intéressantes aux États-Unis. Elle parlait merveilleusement bien le français. Elle me disait, ce qui est drôle, c'est que je sais très bien que jamais j'aurai de poste en France. Donc, ça montre bien quand même le décalage, en fait, entre nous, nos intérêts aussi, d'un point de vue de recherche, sociologie, de littérature, et la vision anglo-saxonne. Là encore, je ne veux pas faire de jugement de valeur, mais je vois quand même un vrai décalage entre une façon de voir, de voir le monde, tout simplement. Je voulais juste répondre aussi à la première question sur le fait que vous aviez l'impression que les Chinois étaient perçus d'une façon... négative ou péjorative par les Français. Alors, ce qui est amusant, enfin, en tout cas, ce que je constate, c'est que donc, moi, je suis un petit peu plus âgée que Grace et que Christelle, celle qui a donc l'illustratrice de ma BD, et j'ai pas du tout vécu la même chose que la génération de Grace Lee ou de Christelle Anne, l'illustratrice de ma BD. C'est-à-dire que comme moi, je suis arrivée en France. Quand je suis née en France, j'ai jamais ressenti de vision négative. Et je pense aussi à ce que disait François Cheng, qui disait que quand il était arrivé en France, bon, il est encore plus âgé que moi, mais qui disait qu'il avait eu beaucoup de bienveillance. Et j'ai ce souvenir-là, voilà, que quand on était asiatique, en tout cas, bon, il y avait très peu de racisme. Moi, je n'en ai pas subi du tout. Et puis, il y avait plutôt un regard bienveillant. Donc, voilà, l'Asie, c'est un beau pays. La Chine, il y a la nourriture, il y a l'art. Ce sont des gens discrets, qui ne font pas d'histoire, etc. Et les choses ont changé. Donc, voilà, et je le vois aussi donc, pour les plus jeunes générations. Et je pense que c'est aussi dû au changement du monde. C'est pas à mon avis, enfin, c'est peut-être pas forcément, comment dire, à l'encontre des Asiatiques, mais c'est une ambiance générale. Et comme disait Grace Lee, c'est aussi politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la Chine, voilà, donc dans le fantasme peut-être français ou occidental, va représenter une menace économique et politique. Donc voilà, tout ce qui était perçu d'une manière positive, à savoir l'art, l'histoire, la calligraphie, la nourriture, etc., est occulté par tout d'un coup ce fantasme. C'est un peu ce que même les titres des journaux, quand la Chine nous avalera. Voilà, j'ai vu ça l'année dernière. Ça fait un écho au livre de Perfit où il disait quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. Voilà. Il y a une sorte de fantasme sur la Chine. Voilà. Alors peut-être que voilà, le monde a changé et qu'effectivement, donc il y a peut-être c'est pas moins de bienveillance, mais qu'il y a une certaine inquiétude générale, donc et pas forcément à l'encontre des Asiatiques, peut-être. Merci. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur ce point-ci. En fait, pour moi, la dépiction des personnes asiatiques comme péril, ça date de très longtemps. Je pense que déjà au XIXe siècle, et d'ailleurs dès le début du cinéma, on a fait le portrait des personnes asiatiques comme étant un danger. D'ailleurs, on appelle ça le péril jaune. Et c'est quelque chose qui date d'assez longtemps. Et donc, il y a des films américains qui datent du début du cinéma, 1930, avec Fu Manchu, avec Mickey Rooney. Enfin bon, énormément de personnes qui ont incarné ces personnes, d'ailleurs, c'est des personnes blanches, qui ont incarné des personnages méchants asiatiques. Et pour répondre à la jeune fille ici, l'altérisation des personnes asiatiques, mais l'altérisation de toutes les personnes qui ne sont pas blanches, à mon sens, vont dans deux sens. Soit il y a une fascination, c'est-à-dire que c'est la personne sinophile qui vous dit qu'elle adore l'Asie et que tout ce que vous dites va être incroyable, et les personnes qui vont rejeter tout ce qui vient de cette voilà. Donc en fait, c'est possible aussi pour les personnes issues du continent africain, du continent, de tout ce qui existe. C'est l'altérisation, le fait de dépeindre l'autre comme une personne qui ne vous ressemble pas, génère ce genre de sentiment chez les personnes qui le voilà. C'est que soit vous les adorez,
soit vous les haïssez. Et il n'y a pas d'entre-deux. Et c'est ça qu'on parle de déshumanisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... ces sentiments très, très, très extrêmes, ils n'existent vraiment pas dans la vraie vie, à part pour voilà, très peu de gens que vous n'aimez pas mais, ou que vous adorez. Mais sinon, le reste des gens, en tout cas tout un continent entier, ne peut pas susciter en vous ce genre de choses, à moins que ce soit des images politiques véhiculées encore et encore. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Ong, je pense que le récit collectif de la France, et là, je pense qu'on a pas nommer le mot, enfin je sais pas, j'étais pas là ce matin ou tout à l'heure, mais je pense qu'on parle beaucoup d'assimilation et cette volonté de tout gommer les différences pour qu'il y ait qu'une seule identité, une seule vision de la France. Voilà, et évidemment, il existe des clichés dans tous les sens, mais il existe des clichés qui ont plus de poids que d'autres, c'est-à-dire d'être vu comme une personne française romantique avec un béret et une baguette, ça n'a pas du tout la même conséquence pour la vie des gens que d'être vu comme une personne inexpressive, besogneuse, discrète, qui n'ouvre pas sa gueule, etc. Ce sont des choses, effectivement, qui existent, mais qui n'affectent pas les personnes de la même manière. D'ailleurs, les clichés en France à l'encontre des personnes asiatiques ont déjà tué, puisqu'il y a une personne qui en est morte. Cet homme s'appelait Chang Chaolin, donc il est mort à la suite d'un cliché qui voudrait qu'il ait eu de l'argent liquide sur lui. Et ça peut être anodin de penser que tous les Chinois sont riches, puisque c'est exactement... c'est des clichés qui sont répétés à l'égard des autres. Les personnes juives ont subi ce genre de clichés. D'autres personnes ont subi ce genre de... Et donc cette altérisation, le fait de les penser comme des personnes différentes de nous, ça mène à des sentiments de rejet extrêmement forts. Et donc par rapport au récit collectif qui est enseigné dans l'école française, dans le programme de l'éducation nationale, quel est l'intérêt de la France ? L'intérêt de la France, c'est peut-être pas de raconter Dien Bien Phu. L'intérêt de la France, il est plutôt de voir, comme il a été ça a été fait à l'Assemblée nationale et au Sénat, de voir la colonisation comme un échange de culture. Il y a eu une loi, un projet de loi, qui a été voté en ce sens pour faire table rase en fait du passé, de dire bon voilà, maintenant c'est bon, vous avez fait des routes, soyez contents quoi. Donc il faut voir où est l'intérêt du plus grand nombre et aussi du coup lutter contre ces représentations qui ne sont pas justes, de dire oui non mais c'est pas parce qu'on a fait des erreurs dans le passé qu'il faut les effacer et de dire non ça n'a jamais existé. Si, ça a existé, et comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que ça ne se reproduise pas, aller dans le bon sens plutôt que de continuer à toujours déverser les mêmes clichés sur les mêmes personnes. Et ensuite, par rapport à votre question sur au pays, enfin comment ça se passe au pays, moi, mes parents sont originaires du Cambodge. Les personnes qui ont le mieux raconté l'histoire des Cambodgiens, ce sont des Cambodgiens. Il y a Swat Pauline, il y a Ritipan, énormément de personnes qui ont pris ça. Il y a aussi des personnes françaises qui racontent ça. Et je pense que le timing qui est bon, c'est celui de la personne. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée à un âge où je me suis posé cette question-là, parce que j'ai eu la volonté de transmettre, parce que je suis devenue mère, parce que c'est un truc très personnel, finalement. Tout le monde ne peut pas... Enfin, je veux dire, moi, j'ai mis 36 ans à me réveiller. Je ne peux pas dire à une personne de 20 ans, attends, dépêche-toi, hein, parce que, tu vois... Donc, en fait, le timing, il est assez personnel, mais je pense que, collectivement, on peut œuvrer pour que ce déclic se fasse au niveau de la société. C'est-à-dire que... Et je pense que ce dont nous manquons, françaises ou américains ou autres personnes qui luttent justement pour ça, c'est le soutien. C'est le soutien de toutes les communautés, qu'elles soient nationales, locales, le soutien pour que ces récits-là aient une place, une place qui soit égale à ceux d'autres récits. Juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la résignation par rapport au récit collectif, au récit individuel, effectivement, hein, je pense que c'est le plus difficile, en fait, c'est d'essayer de reconstituer ce récit individuel et de se confronter à ses parents, c'est hyper dur. Bon, moi, j'ai mis évidemment beaucoup de temps à le faire. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le plus important, c'est même pas tellement ce qu'on va trouver, à la limite, peut-être même qu'on ne va rien trouver, c'est le cheminement qui est important. En fait, c'est juste ce cheminement de tenter, voilà, de ramasser ramasser les pièces du puzzle. Voilà, c'est juste que je... Parce que ça me rend un peu triste que vous disiez... que vous vous résignez justement à ce silence, parce que moi aussi, j'ai eu ce sentiment très fort de devoir me résigner à ce silence. Parce que comme mon père a eu cet AVC qui ne pouvait plus parler, je me dis, ben voilà, il ne peut plus parler. Et je ne dis pas que j'ai réussi
j'ai pas du tout réussi à raconter son histoire, en fait, hein, parce que d'abord, comme vous dites, le passé, hein, et les mémoires sont très fragiles, que chaque personne a une vision différente. Donc, en fait, à la fin, on n'a pas la vérité, on n'a pas. Mais ce qui est quand même important, c'est juste l'essai, quoi. C'est d'essayer de remettre des bouts de puzzle, même si l'ensemble, ça fait un truc qui n'a pas tellement de sens. Mais bon, en tout cas, c'est la démarche qui, je pense, nous fait progresser, nous, individuellement. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à la transmission, effectivement. Donc, moi aussi, je ne connais pas l'histoire de mes parents, et encore moins celle de mes grands-parents. Mais il y a aussi l'obstacle linguistique. Voilà. Donc, pour que notre génération, enfin voilà, les générations qui sont d'enfants d'immigrés, pour qu'ils puissent transmettre de la manière la plus juste l'histoire de leurs parents ou de leurs grands-parents, il faut qu'on parle la langue. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, donc l'appropriation de la langue, moi je ne l'ai pas, je ne parle pas chinois. Et donc dans les, comment dire, dans les devoirs de transmission, l'effort de transmission, je sais que ma mère sait récemment qu'elle a très envie, elle me dit toujours, puisque tu sais écrire, bah, écris mon histoire. Mais seulement moi, si elle me la raconte, je ne la comprends pas parce que, d'abord, elle n'est pas très éduquée, enfin, elle ne parle même pas très bien chinois, donc voilà, elle a peu de vocabulaire, et moi, je ne comprends pas bien ce qu'elle dit, et elle ne comprend pas le français, donc c'est intransmissible aussi. Et donc, il y a aussi un défaut, enfin voilà, l'image manquante ou le chaînon qui manque, voilà, c'est le mot manquant. Il est aussi dû à l'immigration, à l'exil, hein, le fait que la langue s'est perdue et que si la langue s'est perdue, donc dans la narration et dans les récits, donc il y a forcément quelque chose qui s'est effondré. Et je voulais revenir aussi tout à l'heure à ce que vous disiez, Monsieur Liv, sur la culture. Enfin voilà, quand on se sent, enfin qu'on soit donc sino-cambodgien, japonais ou franco-chinois, etc. Moi, ce qui m'a vraiment aidé aussi là assez récemment, c'est la notion d'Edouard Glissant, vous connaissez sans doute, donc le Martiniquais, qui parle d'identité racine par opposition à l'identité rhizome. Et je trouve que c'est très intéressant parce que justement, est-ce qu'on a des identités juxtaposées, successives, enfin voilà. Et donc, il dit tout simplement que l'identité racine, elle est verticale. Donc, voilà, et elle ne communique pas. Donc, par exemple, mes parents ou les parents des intervenants ici, s'ils sont venus en France, ils ont été déracinés. S'ils gardent juste cette identité racine, il y a forcément une solitude, une coupure, un déracinement réel. Et puis, en revanche, là où il y a un espoir, enfin, donc, un certain optimisme à avoir, bon, je sais que c'était un peu idéaliste, hein, dans l'esprit aussi d'Edouard Glissant, il y a ce qu'il appelle l'identité rhizome. Voilà, un rhizome, il a plusieurs racines. Donc voilà, l'enfant qui naît en France, il va garder quand même, même s'il n'est pas, la racine des parents, elle est là, elle va faire d'autres racines. Et puis finalement, c'est ce que quelqu'un disait ce matin aussi, il y a l'identité nationale, il y a l'identité d'origine, et puis il y a une identité inédite, qui est tout simplement la construction individuelle, hein, enfin, quelles que soient les origines, et c'est ce qu'on pourrait appeler cette identité rhizome, donc qui est très riche et plurielle, et qui donc idéalement devrait pouvoir réconcilier plein de choses et continuer une transmission qui n'est pas forcément une transmission conservatrice au sens voilà, il faut absolument pas qu'on oublie ou qu'on transmette, voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Et je voulais juste dire, je ne disais pas que l'image, ce que je disais, c'était mon ressenti. Hein, je ne disais pas que les Français n'avaient pas. Enfin, effectivement, il y a toujours ces idées bon, très colonialistes, même le banania qu'on avait quand on était petit, donc le péril jaune. Mais je parle juste d'un ressenti personnel, moi, en tant que génération née dans les années 60. Et effectivement, j'ai été très triste d'apprendre par ma petite cousine, donc qui a 36 ans, qu'elle avait souffert. Et donc, voilà, et c'est pas la même expérience, le même vécu, et c'est ça qui m'attriste, enfin, parce que le monde, donc, voilà, a changé, et qu'il y a ce repli communautaire, et c'est ces revendications qui sont vraiment légitimes et sûrement importantes. Je vais compléter un peu ce que disait Brigitte Chao tout à l'heure sur
Édouard Glissant, l'image d'Édouard Glissant sur ce concept d'identité des rhizomes, il a pris cette image-là sur un arbre, tout simplement, qui pousse dans les îles, dans les petites îles, dans les mangroves. Surtout, c'est un palutivier, hein, qui est un arbre qui a plusieurs racines, qui pousse donc sous l'eau, sous terre. Et donc, mais ce concept-là n'est pas tout à fait, qui n'appartient pas uniquement à Édouard Glissant. Et c'est aussi également Maryse Condé, l'autre écrivain, grand écrivaine, auteur de plusieurs livres sur cette question-là, qui a forgé aussi cette question d'identité rhizome. En reprenant ce terme rhizome de deux philosophes français qui sont voilà Deleuze et Guattari. Et oui, j'ai des choses à dire, mais terminer parce qu'il y a des réponses à donner. D'accord. Également. Oui, je voulais dire par rapport au fait de cette identité. Tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question, Monsieur Livre, vous avez dit, et je pense qu'on me pose souvent cette question-là, et je pense peut-être à vous aussi, on pense toujours les identités comme étant contradictoires. Vous m'avez dit écartelé entre plusieurs identités, le cul entre deux chaises, qui est quand même quelque chose de très inconfortable, il faut le dire. Donc finalement, il y a cette perception des identités comme étant des choses qui nous déchirent, qui nous séparent, qui nous voilà. Et tout le temps, on m'a demandé, tu es moitié chinoise, moitié française, il fallait quantifier ces identités-là pour rassurer les gens sur qui j'étais. Oui, je suis 100% chinoise, oui, je suis ci, je suis ça. Et cette façon de présenter les identités, elle ne permet pas à une harmonie de se faire chez les gens. C'est-à-dire que pourquoi demander si vous êtes... comment quantifier si vous aimez plus votre mère ou votre père? C'est impossible. Si vous aimez plus ce qu'ils vous ont transmis ou la terre où vous vivez, c'est des questions qui sont complètement... Mais pourtant, c'est rentrer dans les mœurs, c'est-à-dire de dire, voilà... Et d'ailleurs, je trouve que c'est hyper intéressant ce que vous avez dit sur les couples mixtes. Parce que rien que le terme couple mixte, moi, ça m'horripile. Parce que ça veut dire que moi... qui suis française, si je me marie avec un Chinois, c'est un couple mixte. Si je me marie avec vous, par exemple, on est un couple mixte. Pour l'INSEE. Non, mais c'est-à-dire que... Absolument. Mais ça veut dire que dans la réalité, personne, si on sort ensemble main dans la main, va nous considérer comme un couple mixte. Hein. Voilà. Donc, en fait, est-ce qu'on dirait pas plutôt... Moi, je déteste emprunter les mots aux Américains parce que je trouve que... Bon, on est capable de faire nos propres concepts. Hein. Mais par contre, est-ce que le mot interracial... C'est quelque chose qui est utilisé, je crois, aux États-Unis. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est très effroyable en France? Parce que la race, vous comprenez, c'est horrible. Et évidemment, c'est horrible. Mais la réalité, elle est là. C'est que nous, dehors, on est de la même race. Hein. Oui, et du coup, c'est question le couple mixte que vous énoncez, elle occulte aussi toutes les questions d'appartenance, enfin, d'ailleurs, à une classe sociale, à un niveau d'études. C'est-à-dire qu'on dit couple mixte, et d'ailleurs, je pense que M. Livre, quand il a posé la question de savoir, est-ce que ça, moi, je pense que ça n'existe pas, des couples franco-chinois qui sont de classe sociale très basse, parce que les personnes chinoises qui viennent en France pour étudier, enfin, généralement, c'est pas des personnes qui sont sans papier à Belleville qui vont se marier avec leur collègue de travail. C'est des personnes qui ont étudié en France et qui ont décidé de rester et qui voilà ont une raison de rester parce qu'elles ont trouvé l'amour, etc. Mais du coup, c'est une classe sociale unique en fait ça. Et d'ailleurs, la question de la langue que vous évoquez est très intéressante parce que en France, donc quand ils vivent en France, ils vont à l'Institut Confucius. Voilà, ou peut-être, ou d'autres, voilà, pour apprendre le chinois le dimanche, parce que c'est comme ça que ça marche. Mais s'ils vont en Chine, ils vont à l'école française. D'accord. Ils peuvent aller dans l'école publique, enfin pas publique, mais... C'est au rapport, c'est un peu compliqué parce que c'est, tout à l'heure, je l'ai présenté, c'est-à-dire en France, le couple mixte en France, mais au contraire, en Chine, c'est l'autre chose. Et après, c'est déjà, c'est-à-dire, c'est rare les enfants grandir en Chine, les enfants mixtes, je l'ai dit. Et après, mais au contraire, c'est-à-dire, les enfants, par exemple, comme je l'ai dit, les enfants de couple mixte grandir en France, ils passaient vacances en Chine. Et après, c'est une location pour renforcer leur chinois. Il est allé en Chine, c'est souvent. En Chine, par exemple, il y a certaines villes, grandes villes, ils ont l'école exprès pour l'été, pour les enfants, pour apprendre le chinois. C'est souvent pour les enfants mixtes ou pour les enfants descendants d'immigration chinoise. Voilà. Et après, où on peut dire, c'est-à-dire, au contraire, c'est pour le couple mixte, c'est-à-dire les enfants qui grandissent en Chine, mais c'est souvent les parents... Mais
minimum pour, selon mes entretiens. Mais peut-être il y a l'autre couple, je ne connais pas, mais peut-être il y a l'autre situation. Mais pour mes entretiens, il y a le couple mixte, c'est souvent, c'est-à-dire le père, ou c'est souvent le père, voilà, le père français. Ils ont une grande mission en Chine, envoyés par son entreprise française, et envoyés en Chine et travaillent en Chine. Et après, c'est souvent, mais pour les grandes entreprises françaises, c'est souvent, ils ont l'école. Ils ont l'école française. Et après, c'est-à-dire, par exemple, EDF, Citroën, voilà, ou Michelin, mais c'est souvent, ils construisent un petit école ou petit village français en Chine. Et après, mais ce n'est pas juste les enfants mixtes, il y a les enfants français aussi, avec ses parents français, pour aller en Chine pour travailler pendant 3 ans ou 6 ans. Après, c'est les familles, et ça, ils ont le privilégié. Pour, c'est-à-dire, par exemple, le frais de scolaire, c'est-à-dire, c'est gratuit, c'est remboursé par l'entreprise. C'est le roi du travail. Et après, c'est pas juste, il y a une inégalité par rapport à l'autre français. Et après, il y a les français. Il y a les français aller en Chine pour voyage, pour faire l'étude, pour connaître l'autre fille chinoise et marier avec une femme chinoise et avoir un enfant. Et au contraire, il n'a pas travaillé dans une entreprise française courante. Voilà. Et après, si leur enfant veut apprendre le français, il a besoin d'aller dans une école qui construit l'entreprise. Mais par exemple, j'ai fait l'entretien à Wuhan. Wuhan, c'est une grande ville, il y a une grande communauté de Françaises là-bas. Et après, il y a l'école, c'est construit par une entreprise française. C'est vrai, c'est le professeur qui vient de l'école primaire de France. Et après, il a eu 6 élèves dans son classe. Et après, tous les 6 élèves, après, c'est gratuit pour les 6 élèves, parce que c'est leurs parents, c'est l'employé de l'entreprise. Et pour l'autre français, il a besoin de payer minimum, c'est 8000 euros par an de frais de scolaire pour les enfants. Après, c'est pour ça qu'il y a inégalité entre c'est-à-dire le couple, c'est entre les Français, j'ai dit, il y a inégalité de ça. Ça, c'est la situation en Chine, voilà, c'est ça, oui. Mais je trouve que c'est assez révélateur des inégalités entre les langues, c'est la perception de cette langue-là. Puisque c'est-à-dire qu'un couple franco-chinois qui serait en France mettrait son enfant forcément à l'école, je dis publique, mais ça peut être dans le privé, mais en tout cas c'est quelque chose sous l'égide de l'éducation nationale, où la langue française serait la langue principale de leur éducation, et ils iraient apprendre le chinois le dimanche. Et ce qui, je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas j'atteste que ça ne marche pas, ça ne fait pas des enfants bilingues d'apprendre le chinois un jour par semaine, 2 heures. Ce n'est pas possible. Alors que, juste pour le... S'ils habitaient en Chine, ils auraient une école peut-être où la langue principale d'éducation serait le français, pour qu'ils ne puissent pas perdre ce qu'ils ont. Et que du coup, le chinois... D'ailleurs, il y a des personnes françaises qui vivent en Chine qui ne parlent pas du tout chinois. Et leurs enfants, même s'ils sont franco-chinois, ne parlent pas du tout chinois, ou très peint. Je veux dire, pas... Voilà. Et que du coup, ça atteste vraiment... Et que l'Institut Confucius, en France, c'est pas du tout l'Alliance française, ou c'est pas du tout quelque chose... C'est le rayonnement de la langue française, même si on dit aujourd'hui, ah oui, maintenant, on fait le chinois au lycée, c'est une langue qui a un marqueur social, qui permet aux étudiants d'accéder à des écoles publiques de renommée, alors qu'ils ne sont pas dans le secteur, pour contourner la sectorisation, comme l'allemand a été à une époque. Mais ça, ça marque aussi cette inégalité. Et qu'en français, dans la langue française, on dit « c'est du chinois pour moi », quand on veut dire que ça, je ne comprends rien, c'est du, voilà, on dit « c'est du charabia et c'est du chinois pour moi ». Donc deux pays où il y a une influence française très forte. Oui. Et après, j'ai juste dit quand même, c'est-à-dire il manque une légitimité pour la langue chinoise. Et après, j'ai dit l'Institut Confucius, bien sûr, mais pour ma conclusion, pour ma recherche, dans ce point-là, c'est-à-dire c'est insuffisant, ou c'est, on peut dire inutile, parce que c'est plus, on dit, c'est l'institution, c'est pour donner la légitimité pour la langue chinoise, par exemple, au rapport le diplôme. Et après, c'est juste diplômer ton niveau de langue, voilà. Et c'est, mais par exemple, c'est juste pour expliquer, par exemple, quand j'ai fait l'entretien avec les enfants de mixte franco-chinois, mais tout le monde on discutait en français. Il y a pas un enfant, ils ont capacité pour faire l'entretien avec moi en chinois. Voilà. Et après, c'est juste, par exemple, l'Institut Confucius pour les enfants, presque dans tous les France, c'est ce samedi, 1 heure, voilà, 2 heures, voilà. Et après, c'est vraiment insuffisant. C'est pour ça, c'est pour certains parents, c'est-à-dire qu'ils envoyaient leurs enfants en Chine pour apprendre le chinois. C'est plus efficace que l'Institut Confucius ou lycée, collège en France. Voilà. Et aussi, c'est au rapport à l'autre question, au rapport, comme dit, le classe,
ou on dit de distinction entre les couples mixtes. Mais je suis d'accord avec toi, bien sûr, c'est aussi c'est le sujet de ma recherche, parce que c'est au rapport aux nouvelles générations de couples mixtes. Parce que, comme tu dis, c'est-à-dire, si les élèves étudiantes chinoises qui font l'étude en France, bien sûr, c'est-à-dire dans le, un petit peu haut de hiérarchie en Chine, voilà, c'est un peu dans le groupe, c'est-à-dire ils ont assez de capital culturel, sinon pourquoi ils font l'étude en France? Et après, c'est bien sûr parce que c'est, j'ai dit, par exemple, c'est pour, j'ai fait les recherches sur les enfants, c'est souvent, c'est-à-dire moins, les enfants de couple mixte, c'est souvent moins 30 ans. Et après, c'est souvent les parents de Chinois, ils ont de moins de 50 ans. C'est pour ça, c'est-à-dire, c'est pour la plupart de mes inquiétés, ils ont eu grande, c'est-à-dire l'éducation supérieure. C'est différent que l'autre immigration. Par exemple, immigration, on dit les 80 ou 80, les années 80, les années 90, ou jusqu'à les années de 2000, par exemple, il y a beaucoup d'immigration noire chinoise. Mais au contraire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils ont pas fait d'enfants. Parce que souvent, par exemple, je viens de tomber, voilà, du nord-est de Chine, il y a beaucoup d'immigration, c'est la deuxième vague d'immigration chinoise, il y a beaucoup de, comme dit, immigration noire, on dit. Et après, c'est souvent, c'est-à-dire en Chine, il y a grande, parce que c'est depuis les années 95, les années 90, et après, la Chine fait réforme de l'entreprise nationale, et après, c'est tombé, c'est une grande zone industrielle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chômeurs et chômeuses. Et après, il y a beaucoup d'immigration noire de ça. Mais dans ce groupe d'immigration, c'est souvent, quand ils arrivent en France, c'est déjà 40 ans, 50 ans les femmes. 40 ans, 50 ans, trentaine, voilà, c'est comme ça déjà. Mais surtout, c'est en Chine, ils ont déjà marié. Ils ont déjà l'enfant en Chine avec leur mari chinoise ou déjà divorcé. C'est pour ça, c'est-à-dire le groupe de ça, c'est, ils ont, pour tous mes entretiens, je ne vois pas un enfant mixte vient d'une famille comme ça. C'est plus pour moi, c'est-à-dire, moi, je fais recherche, c'est-à-dire la nouvelle génération et comment ils transmettent une capital culturel. Parce qu'ils ont la grande capital culturel, parce qu'ils font l'étude en France. Et après, c'est surtout, par exemple, si on voit statistiques, le nombre de couples mixtes, hein, franco-chinois, par nationalité. Et après, on voit, c'est-à-dire, il y a grande augmentation pendant 2004. Avant, c'est toujours, c'est-à-dire, le couple mixte, c'est environ 400, 500 par année. Et après, c'est de plus 2004, c'est-à-dire, toujours, c'est-à-dire 700, 800. Voilà, il y a grande augmentation. Mais c'est juste moi, c'est une hypothèse, parce que c'est presque même période, parce que la Chine commence la réforme universitaire, on commence par depuis 1999. Et la Chine construit plus d'universités et accueille plus d'étudiants. Voilà. C'est pour ça que je dis, c'est-à-dire la génération, c'est plus, ils ont, pour moi, c'est-à-dire le couple mixte dans cette génération, ils ont la plupart eu l'éducation supérieure. Et après, bien sûr, pour l'étude continuer en France, mais bien sûr, il y a le contexte de capital culturel ou familial ou de lui-même. Voilà. Okay. Merci. Bon, on voit que l'intérêt des nouvelles études, ces nouveaux regards sur les populations asiatiques, c'est qu'on a ce retour entre la France et les pays d'origine. Hein, on sait ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici. Oui, bonjour. Donc, je suis Émine Philippe, psychologue franco-chinoise. Et en fait, ce qui m'a frappée dans ce que vous parliez de la langue, moi, ça m'a parlé parce que pendant mes études, j'ai fait une recherche justement sur la langue et sur les enfants migrants chinois ici. Et je m'étais rendu compte que la plupart de ces mères ne transmettaient pas leur langue maternelle, parce que quand on parle de la langue chinoise, on parle du mandarin, en fait. Mais en fait, en Chine, il y a 200 dialectes et 5 ou 8 langues différentes. Et du coup, je m'étais rendu compte que la plupart de ces femmes ne transmettaient pas leur langue maternelle. Elles en transmettaient la langue mandarin pour des raisons socio-économiques. Et en fait, on observait chez ces enfants-là des troubles de langage, des carences affectives, en tout cas une difficulté de transmission qui était vraiment palpable, quoi. Et des enfants en grande souffrance.
Et voilà, je voulais juste mettre un petit peu un accent sur quand on parle de la langue chinoise, en fait, de quelle langue on parle. Et c'est bien du mandarin, et on voit bien qu'il y a vraiment une hiérarchie, parce que c'est une langue qui a été... c'est avec une volonté politique, quoi, qui a été imposée avec une volonté politique. Donc voilà. Oui, je voulais compléter aussi sur la transmission de la langue chinoise. Je crois qu'il faut peut-être un petit peu distinguer. Déjà, on a parlé longtemps donc, des familles émigrées en France, beaucoup Wenzhou ou autres. Donc là, souvent, la langue, c'est un peu le dialecte. Donc quand vous avez parlé de transmission de la langue chinoise, il faut peut-être un peu préciser l'écrit et le parler, que c'est deux choses différentes. Donc je pense que dans les cours... les cours inutiles, souvent l'écrit n'était pas bon. Donc même si l'enfant ou l'adolescent parle bien le chinois, l'écrit n'est pas... Voilà, c'était juste une précision sur les questions de langue. Et sinon, pour les couples mixtes, effectivement, vous avez souvent abordé le sujet, c'est plutôt là, on parle que du mandarin, je crois. Situation différente. C'est pas une question que vous posez. Bon, moi, j'ai aussi un commentaire à faire à propos de ce que nous a dit la jeune fille qui est là-bas. Je crois qu'il faut distinguer la vision des Européens ou des étrangers vis-à-vis de la Chine, gouvernement chinois, et vis-à-vis des Chinois individuels. Et même en plus, la Chine éternelle, les arts, etc., la civilisation. Donc, le point de vue d'un Européen... peut-être très favorable, très négatif vis-à-vis d'un gouvernement jugé un peu autoritaire et très favorable vis-à-vis des individus qu'ils peuvent côtoyer. Bonjour. Je voulais juste rajouter un mot sur la question du cinéma que vous avez soulevé tout à l'heure, parce que je suis doctorante en cinéma et je travaillais justement sur... la représentation des sino-américains dans les films américains contemporains. Du coup, ce que vous avez dit m'a donné des idées. Je pense que dans le cinéma américain, comme vous avez dit, il y a beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes déjà. Il y a beaucoup de stéréotypes culturels dans la culture américaine, c'est vrai. Mais si on essayait d'aller plus profond dans cette question, vous aurez l'impression que pourquoi existe-t-il plein de stéréotypes sur l'écran? Souvent, les stéréotypes dans les films sont très, très étroitement liés avec la politique migratoire américaine de l'époque. Par exemple, comme vous avez soulevé, comme vous avez parlé de Fu Manchu, par exemple, à l'époque, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. À l'époque, c'était l'époque de l'exclusion des Chinois. Il y a une série de lois qui s'appelle les lois des exclusions des Chinois. Et après, comme la politique migratoire change tout le temps, change toujours, les représentations sur l'écran changent. En relation avec la politique. Du coup, c'est toujours très en relation avec la politique. Et comme Hollywood est très en relation avec Washington, voilà, le cinéma, je pense qu'on peut le considérer comme un révélateur, de la culture américaine et la politique migratoire. Et voilà, c'est la première remarque que je veux faire. Et une autre chose que je veux rajouter, c'est que je reste très optimiste sur cette question de représentation stéréotypée des Asiatiques américains, des migrations asiatiques dans le cinéma américain. Pourquoi? Parce que si vous voyez les films
depuis les années 80, surtout après les années, 80. Il y a beaucoup de films indépendants américains. Dans ces films, par exemple, il y a un réalisateur qui s'appelle Wen Wen. En chinois, il s'appelle Wang Ying. Même le réalisateur anglais, que tout le monde le connaît. Il y a beaucoup de réalisateurs d'origine asiatique font leur film les Asiatiques, les questions sont autrement traitées par rapport à la façon ancienne, à l'ancienne façon. Voilà. Et depuis lors, je pense que les stéréotypes sont rectifié dans une certaine mesure. Du coup, c'est pourquoi je reste optimiste sur cette question. Et, bien sûr, on aura un très long chemin. On aura encore beaucoup de choses à faire sur cela. Voilà. Merci. Bien. On prend une autre question, une dernière question peut-être. S'il y en a. Oui, toujours par rapport à la question de la langue, je pense que vous avez très bien dit, hein, on voit très bien comment le chinois, la langue chinoise a du mal à s'imposer face aux langues françaises. Mais je pense que c'est ce que vous avez dit est aussi valable pour les autres langues, même l'anglais. Je pense surtout à des travaux de Gabriel Véro sur les couples mixtes franco-britannique ou franco-américaine, qui ont des enfants parfaitement bilingues pendant un moment et à l'âge adulte qui redeviennent monolingues, tout simplement parce que un environnement social global monolinguistique finit par emporter face aux efforts individuels des parents pour cultiver ce bilinguisme. Donc, je pense qu'il faut peut-être aussi nous interroger sur ce modèle français d'intégration qui a eu la conception assez monolithique sur la langue et la culture. Voilà. Bien.